Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ce soir en Arabie Saoudite à Jeddah pour le Grand Prix Expert de la CFFR, la saison 9, le deuxième Grand Prix. Et j'ai le plaisir d'être avec Cabrossa pour commenter ce soir. Bien, bonsoir Cabrossa. Bonsoir, bonsoir, tu vas bien? Écoute, ça va super. C'est un plaisir de venir commenter le groupe Expert. Il y a beaucoup de beaux noms. Et un beau circuit qui est bien sympa. Risqué, ça promet une belle soirée, avant tout de belles qualifs. Ouais, très technique hein, ce circuit. Salut Kojit, bonsoir à toi. D'ailleurs, je vais annoncer une petite. On va essayer de faire un petit truc pour ce soir. Comme c'est un GP à fort risque de casse, peut-être j'ai préparé une petite annonce là. On va voir si ça marche. Ok. Ça a l'air de marcher. Donc là, dès qu'il y a un spin. Et spin au virage 2. Bonsoir Francky, bonsoir Maxou, salut Revax. En tout cas, on entend très bien sur le live. Parfait. Complètement sec le GP, bah, j'espère que on va pouvoir mouiller un petit peu en cabine. Enfin, je vais faire ban la chaîne CFFR en 10 minutes, faut que j'arrête mes conneries. La musique du multiplex. Pas de gros mots, aucun gros mot, que de l'humour parfois un peu, hein, voilà, un peu F1. On a déjà deux abandons qui correspondent au départ fondé, ban qualif, il y a NYG, Shumi et Minikrev qui vont trouver un ban qualif ce soir. C'est le multiplex Francky, attention, je te refais un petit coup de multiplex, t'as l'air d'avoir aimé. Alors ça c'est quand il y aura un spin, hein. Parce que voilà, on va pas en abuser non plus. Et puis, spin, un crash. Ouais, un spin, un crash, on va se mettre sur... Oh là, ce soir, il n'y a pas le chaos, il y a un gros sortie haut. On va juste toujours le sortir avec le Falcao, qui va être le produit qui va être en plus. On va peut-être se mettre en car. Falcao. Falcao, derrière, qui est sorti derrière. Falcao sur la piste. Ah ok, Minikrev du coup, ouais c'est bon. Alors attends, j'essaie de faire un dernier réglage, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup. Vas-y. On entend beaucoup le son des Formule 1, des voitures. Je vais te dire ça aussi. Attends, ouais, encore un poil. Ah, il y a une petite publicité là. Voilà. Et n'hésitez pas. Clairement, la lutte pour le maintien est complètement relancée. Tu dois pas parler football parce que. Si, clairement, ils vont se maintenir. Mais t'as vraiment maintien de quoi? Pas de galère. Je sais pas, c'est l'ami Reves qui nous parle de la lutte pour le maintien. Ah, but à Clermont. But à Clermont? Non, on va pas. Ah, d'accord. Ok, excusez-moi. T'as lu la moitié de la phrase. Francky, tu nous dis si la voix c'est ok, je pense que j'ai baissé le son des voitures, ça doit être mieux. Et Falcao qui a lancé hein, pendant que je raconte ma vie. On va rester en onboard avec lui. Ça va y aller tranquillement de toute façon, sur ce circuit on attaque très rarement dès le premier tour. Hein. Et pourtant il a déjà les bonnes trajectoires. Même s'il ne passe pas à fond, de toute façon c'est pas ce qu'il faut faire en ouais, regarde. Ah oui, là c'est très... La phase du secteur 1 n'est peut-être pas optimale. Ah oui, ça sécurise, hein. Ah, c'est le et mot. Ça allume en violet, évidemment, le premier homme. Ouais. Fabibou, là, qui termine ce secteur 1. Ouais, je vais passer d'ailleurs sur un autre pilote, parce que Falcao, il semble annuler son temps à relâcher. On va venir avec ouais, je pense qu'il a vu son secteur 1, il a peut-être préféré économiser pour relancer. Ouais. C'est ciao. Il est bien lancé Fabibou. Il arrive sur un enchaînement assez technique. Hein. Oh oui, c'est bien pris. Il pourrait resserrer un poil plus en prenant sur la gauche en mangeant le vibreur. Grande ligne droite. Et puis il y aura encore une chicane. On va peut-être se passer en onboard pour la chicane. Oh, c'est bien pris. Fabibou, il est prêt. Là, il faut attaquer le vibreur. Et la ligne droite. Et au bout, un dernier freinage. Une épingle, c'est reparti. On peut perdre pas mal de temps sur la dernière épingle. Hein. Ah oui, hein. Ouais. Tr-
très à gauche là. Verstappen a carrément perdu un tour, quoi. Le tour de l'année. Vamos, Falcao, la première marque. Ouais, du coup, Falcao qui relance. Ouais. Qui relance un tour. Ouais, ouais. C'est Fabi Bou qui vient mettre la réelle première marque en 1.29. C'est correct. Hein. Je pense qu'on pourra atteindre les 28, peut-être 27, peut-être plus dimanche avec l'élite. Ah, ce serait bon. Bon, je pense que 27 est réalisable. Ah oui, 27, oui, oui, non, je comprends. Hein. Ce soir, ça serait très beau en 27. Ce serait un 26, si je dis pas de bêtises, ce serait très très beau. Ah oui, 27, alors, on va pas être trop gourmand. Hein. C'est le personnel bête, le record de chacun en contre la montre, hein, de 26. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, bah on attend Morard, alors rendez-vous dimanche. Pour l'instant, on est avec l'expert. Et il y va, le Falcao. Il y a Tadouche qui vient de lancer également. On va surveiller ça. Ça commence à sortir là, des stands. Ouais, là je vois qu'on a 3, 4, 5 pilotes en piste, plus ou moins. Ça se mouille pas, hein. Ça veut laisser la chance aux autres de poncer la piste, de la réchauffer. J'ai justement de volant du joueur manette, hein. On le voit au volant qui oscille un petit peu. Et c'est reparti. Dernière ligne droite pour Falcao, activation du DRS. Sur la ligne 1.30, hein, je crois que c'est ça. Mm-hmm. À une petite seconde de Fabi Bou. 1.30.4. Sur un deuxième tour. Hein. C'est le premier secteur, hein, qui va être un plus ou moins juste de paix pour pas mal de pilotes. Et après, il y a deux chicanes à pas rater, mais. Du coup, bon, je l'ai perdu, Dadouche qui arrive sur la ligne. Alors, Dadouche qui arrive sur la ligne, moi je vais rester avec Kojic, qui va nous tenir au courant du temps de Dadouche. 29-9, on a le droit à... Ça dit que c'est mis une base sur lui, alors, hein. Pour l'instant, en tout cas. Kojic, ouais. Kojic, Béraud en tour. Ok, je suis avec Kojic en onboard. Ouais, je vois ça. Un drapeau jaune, attention, drapeau jaune, c'est Falcao sur son tour de rentrée qui doit avoir plus du tout d'essence. Ouh, attention, non, Bastien qui a abandonné la session. Et Bastien qui a abandonné la session. Premier virage, deuxième, ouais. Plutôt. À mon avis, c'est pas volontaire. Aïe, aïe, aïe. Ah là, abandon au virage 1, Bastien, un circuit qui lui tenait à cœur, c'est dommage. Il va faire une Ligia. Aïe, aïe, ouais, la remontée, on l'espère pour Bastien. Partir à derrière, pas dans le peloton, tranquille Bastien. Du coup, ça devait, il venait sûrement de lancer son tour alors. Ouais, un zoom malheureux, mais au premier virage, c'est pas l'endroit le plus facile pour casser, c'est dommage. Ouais, c'est... Alors, on a pas tout trop. À la réaxelle, et puis après les murs sont proches avec les dégâts de simulation. Tout était rapidement, mais c'est dommage d'avoir fait l'erreur ici. Et tu vas revenir plus fort, Bastien, on en est persuadé. Sinon, il y a Kojic qui a fait sa première marque en 1.30.6. Et Béraud qui va terminer son tour. L'Alfa Romeo de Béraud. Vas-y, Béraud, 1.30.3. Pour l'instant, 29.5, ça paraît être un très bon temps. Hein. Ah bah ça tient depuis tout à l'heure. Ah bah parce oui. Que Spridi, j'ai eu en vocal, enfin j'ai eu même par message, il pourrait aller chercher un 28.5 apparemment, et pour l'instant c'est un 30.0, il commence tranquillou. Il a dit sûr, le leader du championnat qui s'attaque au secteur 1, attention devant il y a Alfa Romeo, pas se faire gêner. Certes, la fois qu'il se décale. Ah, NY ? Non. Alors NY c'était déjà fait. Alors attends, j'ai vu un mouvement, mais ça, c'est peut-être juste quelqu'un qui a passé la ligne. C'est peut-être juste les drapeaux jaunes de l'Alfa Romeo. Ah oui, c'est Raven, en médium, 1.30.8. En médium, okay. Raven. Pour le coquin. Oh, moi j'y vais en... Je suis tellement fort, j'y vais en médium. Très bien, Raven. Ouais.
Salut Beben CP3 qui en fait est Koro si mes souvenirs sont bons. Bonne course gars de l'expert, la bise, mais bonne course à toi et à ta femme qui doit pas être très loin à chaque fois qu'il y a de la F1. On la sait amateur. Jadixur qui a tour rouge là, tour annulé. On va changer le pilote. En Je fait. sais pas s'il a assez de RS pour relancer un tour là, 60%. Alors c'est peut-être On même va de voir. l'essence ici parce que le RS tu peux le recharger si la petite technique tu te passes en neutre voilà mais l'essence t'as suffisamment pour faire un tour et même parfois sur ton tour de rentrée t'es déjà à sec donc Ouais, ici je crois c'est tu peux faire avec 5 kilos tu fais moins de 3 tours hein, de 2,5 quelque chose comme ouais c'est ça. ça ouais. Donc mais bon, là apparemment il a pris assez. Il relance? Donc il relance un tour. Ok. Alors Airborne ça y qui est va en hein. finir. Ouais, tout le monde Airborne, 30.9. Les temps là, en partir de 30.5, ça va passer en Q2 directement, parce qu'il avait déjà 4 éliminés, faut pas déconner, je pense que Ah oui, ouais, c'est vrai les que j'avais 6 premiers oublié. pilotes devraient être à l'abri, hein, même s'ils n'ont pas réalisé la meilleure marque possible. Ah oui, y a qu'un, ouais, effectivement. Attention, messieurs les pilotes, il n'y a qu'une place. Hein, parce que c'est le petit piège aussi avec les départs fond gris. Faut pas. Il y a 3 départs fond gris, possibilité que d'autres pilotes cassent sur une piste compliquée. Il fallait peut-être pas tout donner dès le premier run de Q1. C'est dommage. Il n'y a plus qu'une place éliminatoire là. Oh là là, ça frôle les murs là avec Raven, secteur 1. Raven, faut qu'il fasse 1% hein, pour les lumières. Il a déjà rentré un temps. En médium, si tu veux, il a économisé un train de gomme. Enfin, après, il a usé ses médiums pour la course. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait un petit moment, mais Dadouche il est venu s'intercaler où il était déjà en 29.8. J'ai du mal à me rendre compte, mais je crois qu'il Parce qu'il allait a. sur 3 tours là de. Sur Ah, il ses en essaie softs, il y a libre 3 alors, tours. Dadouche. Dadouche réserviste du soir qui tient à bien Spanish! figurer. Spanish, Spanish attention. 29.7. Hein. Ouais, voilà. Spanish, gros client. Je reste avec Mister Jack pour l'instant, la Mercedes. Non, Ouh, pas vu. une 1. J'ai vu beaucoup de deuxième secteur en 1 ou 2. Il est possible qu'il nous fasse un gros temps, Dadouche. Mister Jack, pardon. Déconcentré par le trafic au lancement de mon tour, nous dit Bastien. Et ça, c'est le piège aussi de. Moi, j'ai peur de ça dimanche. Ouais, Tu te manges c'est. un trafic dans le secteur 1 ou même juste au premier freinage où tu vois les pilotes sortir des stands, bah, tu fais caca pilote. Hein. Ah, ouais, c'est très facile d'être déconcentré ici. Et pendant ce Secteur 1, ouais, temps-là, c'est. ouais. Pendant ce temps-là, on l'avait dit, hein, Mister Jack, il signe le deuxième temps. Eh ouais. 29.5 également. L'Amity Lude en Aston Martin. Il va nous faire tous les deux. Son drapeau jaune devant, il y a deux pilotes plus ou moins ralentis. Donc c'est bon, ils ont passé l'épingle, ils vont pouvoir se mettre de côté. Je vais sur Trashco, moi, ça va être le dernier sans temps, dernier pilote. Pour l'instant, il faut battre le 1.33.0 de Williams pour passer en Q2. Ça serait Williams qui serait donc le seul éliminé de cette Q2 sans casser ou sans ban qualif. Et le DJ Trashco. Et alors je sais pas si tu l'avais dit mais du coup une 30.2 quand même hein, Raven en médium Ouais, c'est coquin. sur son deuxième tour C'est un lancé. petit coquin. Ah, sur le deuxième tour? Ah, Ah oui il a parce qu'il amélioré. avait ah, il a fait un tour en une 30.8 si je dis pas de bêtises et là il a amélioré de 6 dixièmes, il va rentrer au Donc, stand. il était Et déjà donc en médium, plus beaucoup d'essence. ouais, Ça va. Alors, c'est un beau temps. ça sera un prétendant peut-être à la pole et plus tard peut-être la victoire. Et là, il y a Trashco qui s'approche de la ligne d'arrivée. Ouais. Ouais, une 30 points. 30 points. Eh bien, écoute, ouais, c'est ça, hein, les 30.5 Sixième que je t'avais place. dit plus ou moins tout à l'heure, c'était sûr d'être dans la qualif. Exact.
petit loot qui va être en tour de rentrer Trashco également, c'est Williams qui est ressorti. Et lui, Williams, il a besoin de faire un gros temps. Donc on va s'attarder sur lui. Papi Chulo, Papi Ludo. Oui, femelle est couchée. Non, on n'est pas sur une ligue misogyne, Papi Ludo, s'il te plaît. Un peu de respect pour ta compagne. Et Papi Ludo qui est en forme. Je crois que Papi Ludo va offrir un sub hein, à l'un des viewers. Vous êtes déjà 18. Incroyable. 18 pour cette Q1. Papi Ludo, je t'encourage fortement à offrir un sub. Ça fera plaisir. Ça fera plaisir à Williams qui, on l'espère, va réussir à se qualifier pour la Q2. C'est parti pour Williams. C'est parti, ouais. Il y a Airborne également et en tour. Ouais, qui vient de lancer juste devant. Surveiller Airborne. On n'a pas beaucoup de pilotes en piste là, tout le monde est à peu près sur des lits, pas besoin de gâcher des gommes. Donc j'enlève l'affichage. Attention la As qui n'a pas gêné. Ah, il y a le pneu de Bastien qui est resté là. C'est bon, petite gêne visuelle à la bord à l'approche de ce secteur sinueux. Il va Williams un peu large. Il revient sur la corde, ça tapote. Et là, en dégâts simulation, ça a pété les rangs. Il en a promis, ça va être dur de. Même si les trajectoires sont propres, ça va être dur d'aller au bout. Je pense qu'il va avorter son tour. Hein. Et 2 minutes, il va même avorter la qualif. Oh, c'est pas une casse. Mais c'est tout comme. Ah, Williams. Et chute, chute au banking, Williams qui, après sa casse d'aileron, has been et qui, à mon avis, sera 16e sur la grille et dernière éliminée de cette Q1. Airborne, pas besoin de forcer. Donc, sur une amélioration d'un 10e, Airborne. Ah, il a pas l'information, je pense, donc il va terminer son tour tranquillement. Ok, Airborne, avant. Non. Ah, il y va. 30.5. Que 10e, 30.5. Ah, c'est quoi ça? Revox, what is that? Un blocage interdit. Ouais, c'est. Ah, Raven? Non, c'est qui a pris? C'est Raven ou Revax? Non, Raven est au centre. Ah, Revax. J'ai dit Revax, mais il a l'air d'être en tour de sortie, tout va bien alors. Oui, mais ça vient de se passer. Revax, on t'attend sur le live. Blocage interdit. Pedro, comment? Ah, tu sais c'est quoi? Oui, dis-moi. Il y a quelqu'un derrière lui, il y a Williams. Est-ce que ce serait pas ça? J'ai déjà pris. C'est vraiment con parce que. Oh putain, le jeu de con. Ouais, c'est. Bah ouais, c'est bête. Mais je crois que ça arrive de plus en plus souvent, ça. Hein. Ah bah après, c'est bien pour. Quand ça arrive réellement, quand c'est. Ouais, fais chier. Dommage, ouais, mais c'est rare hein, que quelqu'un laisse pas passer, surtout la CFFR. Ah oui, les pilotes sont propres. Écoute, on va vivre 20 secondes pas très animées hein, parce que tout le monde est assuré de passer là. Ouais. Sauf le pauvre William. Ah, il est furieux Revax. Bah, on comprend ouais. Hein. Il a dit ouais. Sur le live, quelle blague. Ah, ouais bah c'est un truc même, Ah non c'est Revax ouais, qui nous lâche un quel blague. Ouais Revax ouais. Bah ouais, mais c'est un truc qu'il faut retenir, hein, parce que ça risque d'arriver encore et encore. Hein. Surtout pas traîner en file indienne, en qualif ou quoi. Mais toujours s'écarter ou laisser passer. Enfin, laisser ouais. Passer ou s'éloigner plutôt. Moi, je redoute ça, hein, que je t'ai déjà dit. Dimanche, là, les qualifs, le premier secteur, va falloir sortir au bon moment. Entre ah, c'est ça aussi. Chaud et tout se libre, quoi. Ça veut dire cette peine aussi. Est-ce que on peut la prendre également en laissant passer quelqu'un en tour quoi de qualif si vous êtes deux à laisser passer. Il y a quelqu'un juste derrière toi. Vous êtes à peine 100 km/h. Tu risques de prendre la peine. Faut voir les limites de cette nouvelle pénalité. Ouais. Ouais. Faut voir comment c'est foutu. Ouais. On n'a plus personne en piste. Revax, c'est quelle blague, mais pas vraiment drôle celle-là. Hein. Ouais, dommage. Trashco premier aujourd'hui, the best. Drapeau belge, sum. Ah, j'ai mal lu drapeau belge, pardon les gars. Désolé, les gars.
Et pour l'instant, c'est pas Trashco qui est premier, c'est Fabibou, bien que Trashco ait de nombreux Ouais. supporters dans le chat. Fabibou, je crois que je l'ai vu une fois sur la piste. Il a tapé un tour. Puis il est rentré comme Fabibou un très roi. rapide, mais il a le petit gris-gris du spin au premier virage. Je pense que c'est peut-être un passage sans l'antipatinage qui est encore difficile. Mais il est très rapide. Et Antoine Allard, qui. T'es pas belge, toi, si tu rigoles à la vanne que je viens de faire. Ou alors, tu es bon joueur et on apprécie. En tout cas, on t'embrasse. 22 sur le live, mais c'est qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. 22K, là, on est 22 000. 22 000. Voilà, c'est fait faire entrer dans une nouvelle dimension ce soir. Je suis bon joueur. Et bah, on adore. On adore. Et nous, on a la possession, nous. Ah non, c'était vous. Ouais, je sais plus. Bon, ça fait longtemps et depuis, on n'est plus champion. Pas de problème. On va reparler F1, la Q2 qui va commencer. Est-ce qu'on se ferait pas un petit point classement? Ah le bâtard. Hop là, attention. Est-ce que ça suffit à se faire ban le mot que je viens de dire là? Non, 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 c'est bon. Ok, non, 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 il a non, dit. non, c'est plus YouTube maintenant. Maintenant, Oh là, YouTube, attends. c'est. Attends, oh là, l'alerte. Non, 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 pas de crash. Je voulais juste regarder le classement. Le classement. Le classement. Le classement, ouais. Je me mélange des pinceaux. Ouais, j'ai pas là, je l'ai pas sous les yeux, sinon je t'aurais bien. Bah, t'inquiète, je l'ai sous les yeux et je Ça. suis un caster d'exception. D'exception. Là, Oh, dis donc, la oh là, Ferrari qui oh vient de là. passer tout le monde là dans Oh les. là là, ah, ça sort là, ça sort de dans tous les stands là. Il est perturbé, ça y est. Oh la Joya! Bien le bonsoir la Joya! La Joya, j'ai des indicateurs. Et apparemment, dimanche, c'est pour toi la pole. Tu as l'air d'être une machine. Tu as l'air d'être une sacrée machine. Ligia Dixur, vainqueur du dernier Grand Prix. Bah, le classement, de toute façon, c'est le classement de la dernière course. Ligia Dixur, 25 points. Airborne, 18. Tiloud, 15. Le Duc, 12 points. Béraud, 10 points. Trashco, 8. Fabibou, 6. Spanish et Falcao, 4, 3. Et Mister Jack, 2 points. Et puis pour le reste des pilotes, 1 point de participation. La division expert hein, accorde 1 point à tous ceux qui terminent. Minikrev et Revax qui n'ont pas pu finir le dernier GP ont 0 points. Et au classement constructeur, on a Aston Martin et McLaren devant. Mais pas trop s'attarder dessus, c'était le premier Grand Prix. Ça ne veut pas dire Ah oui. grand-chose pour l'instant. Ouais. Je reprépare l'alerte multiplex. C'est bon, c'est prêt. Mais on C'est espère. parti. On a un second. On espère C'est le pas duc trop qui les. va Ah bah mener la voilà. danse. Je te remercie. Eh oui, je suis là pour ça. Excellent. C'est la moitié des pilotes déjà qui sont sur la piste. Alors on va remettre les données du tour. On se met pas à la télémétrie, moi je trouve que ça alourdit l'affichage là. Pas besoin On est de en voir les niveaux qualif, de ouais. RS. Ouais. Et puis même tiens pour le premier tour de Revax, Bamos, Full Moon, c'est parti Revax, fais-nous rêver. En plein écran, c'est toi la star. Le convoi d'essence alpine sera bloqué à la douane. Ouais, bah ouais, hein. Il y a des petits soucis d'essence. Oh oui, la première phrase là, de Revax. Bien couper le premier vibreur. Là, faut bien reprendre la corde sans Ah, taper le mur. Là, il aura pu ça monter le vibreur. Et il a coupé. coupe pour Fabibou également. Oh, il annule pas le coquin là, le duc. Reste en tour on board avec le but. Attends, peut-être ce n'est que le chrono. Le Vais duc surveiller Bambam qui derrière. impeccable. Bon. Première chicane pour le duc. Ça qui mine sur le vibreur. Attention au mur de droite. Deuxième chicane. Attention au Aïe aïe vibreur qui fait une aïe. interdine. Aïe aïe aïe, tu dis aïe 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 parce que devant je vois il Non. arrive sur une. Ouh, juste dans Ouais, l'arrêt mais au ouais, il est un peu ralenti. trop à l'arrêt là, 50 km/h. Après il est plutôt bien positionné parce qu'on le Oui, oui, voit, oui, il n'est pas à oui. l'intérieur ou qui est la trage préférentielle, donc c'est malin de sa part.
Alors, je sais pas pourquoi il est aussi lent. Pour laisser passer tout le monde, sûrement. Mais... Ouais, c'est mais vachement long, hein. Il va partir avec des gants froides, hein. Faut faire gaffe. Et une fois de. Ah, c'est clair. Il y a Ferrari derrière. Attention, il y a une McLaren qui arrive en tour lancé. Ouais, il va la laisser passer. Ouais, c'est un peu trop lent, là. Un peu trop. Trashko, il prend le point. Et dans le chat, on voit un maximum de bruit pour Trashko. Apparemment, il a des supporters. Ouais, 31.2 pour Evax. Dadouche qui lance. On va en 30.8. Falcao qui va en finir. Il a devant lui une As. C'est une As qui arrive différent. Falcao. C'est l'As de Lija, j'imagine. On va se mettre avec lui. 31.2. Ah, ouais. Putain. C'est 30.3. Falcao. 30.3, ouais. Vamos, do Falcao. Personne sous la sous les 1.30 là pour l'instant. Ouais, on a déjà eu du 20. Oui, on a 29.5 ouais. Ouais, ouais, 5, ouais. On en a eu deux. Mister Jack et Fabibo. 28.5 même. Hein. Ah oui, oui, je pense en Q3. Ouh, ça spin déjà. Aïe, 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 aïe. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les gars. Il y a besoin d'une alerte. Il y a besoin d'une alerte. Il y a besoin, oui. Il faut sensibiliser. Et speed avant le banking pour Lija Victor, mais alors, 34. Je suis même pas sûr qu'il soit en tour du coup parce que ouais, je pense qu'il était en tour de rentrée. Il a... Bah ouais, parce qu'il a déjà fait un tour chrono. Oh, 25 000 personnes sur le live. Bonsoir à tous. Il y a de quoi offrir du sub, Papy Udo. 25 000 personnes qui peuvent recevoir un sub. Kojit qui arrive sur la ligne, suivi par Dadouche. Il faut que j'offre un sub Papy Udo pour que tu le fasses. Ah mais Kojit il s'est raté. Kojit 31.6. Ouais, c'est pas fou. Et Dadouche 30.9. Ouais. Attention, il y a un c'est gros... timide il y a un autre... là. Il y a un autre client qui termine le premier secteur, le banking. Pas niche. Ouais. Ça coûte 8 euros ton truc. Oh là, ça y est. Ouais, environ 25 000, on est 25K, ouais, t'as raison, la Joya, on sait pas si on est 24 985. C'est un code postal ou c'est un nombre de spectateurs? Allez, Spanish, fais-nous rêver. Le Rital. Voilà, la Sprint G, c'est beau, de belles trages. Ah, mais il a pas j'ai coupé. J'ai raté ça, merde, il va nous faire un gros temps. Ouais, il est 33-0, il a pas coupé, il est parti un peu large, il a perdu un peu de temps. 33-0, c'est coquin pour le premier secteur. Ouais, c'est Spanish, et voilà. Voilà. Et voilà. Allez, on va porter le au cousin Spidey. Oh oui, ça attaque le vibre. Oh, ça va être mignon ça. Ouh, ça va être mignon. Spanish le Rital. Alors attention, j'ai une autre alerte. Non, pas celle-là. Mais je sens que à la fin du tour de Spidey. On va tous se dire. Voilà, je pense que. On va attendre voir. Hein. Oh, ouais, ouais, mais là il est sur la trage, tu vois. Ouais. C'est qui ouais. C'est Dadouche encore. Eh oui, il est sur la trage. C'est pas tout le monde qui prend l'extérieur. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, je veux. Faire le moins de temps. Non, Spongy, non. Et oh non, il a cassé. Coup de bol. Ce n'est okay. Pas cassé. Il laisse passer. Alors, il a pas fait gonfler le Zizi, mais. Ah ouais, il a fait dégonfler là. Ouais, mais il nous dépêche-toi. Alerte au chronographe, vite, faut y aller. Kojit qui arrive. Oh, il le laisse passer. Ah. Mais est-ce qu'il a la place? Oui, il a la place. Alors, c'est voilà, dommage. Voilà, Spidey, c'était le tour de. Mais, et c'est la Red Bull. C'est le virage où tu DNF en Red Bull. Bon, c'est pas la Q3, mais c'est comme si. Ah, bon, il allait faire un temps excellent. J'ai vu son secteur 2, il était en 1-2.1. Très bon. Ouais. Merdouille. Longtemps. Ouais, ça faisait du 25-9, c'était ça passé en Q2, il va devoir Il a le temps. Changer l'aileron, mettre de nouveaux pneus. Alors, bon. On va dire qu'il a spin au bon endroit. Hein. Ouais, Raven, il n'est pas l'air si rapide que ça, c'est 26, 27, 28, 30.4. C'est moins bien que les médiums tout à l'heure. Ouais, 2 dixièmes de moins que son tour en médium. Il y va peut-être tranquillement, hein. Il veut s'assurer le passage. Ouais. Et Mister Jack, 29.6. Ok, 29.6. C'est régulier. Ok, voilà, très propre. Mister Jack.
Et oui, Fabibou, il a amélioré un peu. 29,9. Là, de nouveau Alors, je sais pas, ça sub. Oh date. là là, C'est Papiludo, quand? il offre un abonnement, excuse-moi. Là, ça Oh, mérite t'inquiète pas. les félicitations de Papiludo. Bah, écoutez, on est Voilà. 24 000. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui peut offrir un sub à CFFR. Ça fait toujours plaisir. Béro qui va en finir. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oh non, je t'en prie. 30,5, le Béro. Est-ce que 30,5 serait encore la marque plus ou moins à atteindre pour passer en. Je pense qu'il va falloir un peu plus là. On est déjà en 30,4, huitième Ouais. place. Bon, ça, ouais, 30,3, 30,2, peut-être. Bah écoutez, Si cette tout le monde va fois-ci, ressortir là. je le rate pas. Ah, mais je lui ai mis l'œil, donc est-ce qu'on le surveille ou est-ce que je le laisse tranquille, la Miss Pridgy? Eh ben, on va le surveiller! Ah. Alors, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre là qui entoure. Alors, on va faire un truc qui va Non. peut-être être désagréable pour le live. Je vais vapoter un coup, mais ça risque de faire des bruits à la con là. Est-ce que ça s'entend? Non, ça va, ça va. Allez. Pas spécialement. En tout Et cas, Fabibou. on. Ouais, dis-moi, dis-moi, Fabibou. Non, j'ai juste Fabibou qui relance. Je commence sur un deuxième tour. Une fois passé les 29, je suis pas sûr qu'il soit obligé de relancer, hein, vu les prises de risque sur ce circuit. Ah ouais, là, 29,9, il est sûr de passer hein, en Q3. Mais il tient à s'améliorer. Il est confiant, hein, il est confiant, c'est bien. Papiludo, c'est toute la CFFR qui te remercie. Les admins vont pouvoir s'acheter des chocobons, puisqu'ils mangent que ça, on le sait. Béro qui rentre au stand. Eh Béro, faut pas frotter les roues hein, contre les murs. Ah, C'est pas le but. c'est parti pour l'œil de Sauron hein, sur Spriggy. Moi je vais tout enlever et on va rester avec lui. Le duc qui vient de faire une 31,2. Je dis pas de bêtises. C'est parti Spriggy, fais-nous rêver. Le vibreur à l'intérieur ici. Ok, la grosse ressortie. Hop là, bien bouffé le vibreur. Ouh, la grosse limite. Ici, on resserre. À fond, à fond. Ah oui, mais c'est les bonnes traces. Il faut être encore un poil plus à l'attaque. Mais bon, là maintenant, il veut surtout passer en Q2. Il est en secteur 1. 32,9. 32,9, c'est costaud. Attention, l'Alpine, casse-toi! Ah, il a mis du temps à accélérer. Je pense qu'il a eu peur de l'Alpine. Ou du Bon, banking, l'un des deux. on peut le voir là, 29,5 pour Fabibou. Oh oui, oh là là, les trajectoires. Oh, je me régale. J'espère que vous vous Qu'est-ce que régalez là, ça donne là, les secteur 29 000, 2? 29 000 sur le chat. Incroyable. Allez, je Ah, te dis une une entre 1,8. deux. Oh mon Dieu, C'est mieux que tout mama. à l'heure. Oh, c'est le tour de l'année. Oh, c'est le tour de l'année. Attention Spriggy, l'audio est préparé. Hein. Faut pas rater ce virage Spriggy, s'il te plaît, on veut le célébrer. La fin du tour, il l'a pas raté. Ça sera combien le Spriggy? Pas Oh, 26, 29,6. alors. Tu fais gonfler mon zizi là. Un petit peu, mais pas. Au moins c'est mieux que Ouais. la casse. Et. En qualif, t'as la chance, même si tu pètes l'aileron arrière, il me semble que ça se répare. Hein. Ah oui, tout se répare. Ok, ça régale. Ah, même fond plat, tout ça, tu rentres au stand comme si de Ok. rien n'était. Hein. C'est magique. Des mécaniciens très performants, excessivement performants en qualif. Hein. On On va était se surveiller 25 000. Oh là. putain, 25 000 en 2 secondes. Ça. Merde. C'est Ouais, Falcao ouais. là. Falcao qui bientôt à la limite avec son 30,3. Ça commence à se resserrer. Hein. On a quelques années en 29,5 et sinon c'est autour des 30 secondes. Ouais, ça va se resserrer encore plus là. Avec tous les temps qui vont arriver. Après t'as le Duc, Lyja et Revax qui ont l'air un poil plus en difficulté. Là Revax il part dernier pour l'instant avec ses pénalités de grille. La douche, On dit ouais, c'est bien. Falcao, on l'a vu ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le cheat code trouvé par Falcao. Merde, dommage, j'étais en live sur toi. Oh bah tiens, bon bah de toute façon.
J'ai pas vu, moi. Alors, j'ai vu en relevant la tête, mais il a trouvé une... Bon, je l'avais trouvé aussi, mais plus en course. Mais il y a une petite façon, apparemment, de berner. Si tu relèves le pied, sorti du premier secteur, tu peux ressortir large et pas perdre trop de temps. Parce qu'il avait fait 32.8. Mmh. C'était plus rapide que Speedy. Ah oui. Ah oui, 32.8, ouais. C'était solide. Et Dadouche. Est-ce qu'il va pouvoir relancer une... Oui, il va pouvoir relancer s'il a assez d'essence. Alors, Dadouche, pardon. Une 29.8, Dadouche. 29.8, Titan. Ok. Raven en difficulté, bam. Joli Raven. Le voilà. Le voilà, le meilleur temps. C'est de la Q2. Qui fait gonfler le Zizi, là. Joli Raven. Et Lisa, ah, on s'en doutait, hein. 10e, attention, 16e d'amélioration, Lisa. Ça va pas chercher Raven, mais ça se met dans les premières places. Ah, 30.0, ok. Derrière, il y a une Alpha qui arrive, c'est Bero, 30.3. Bero qui lance en fait. Airborne, Airborne aura lancé. Il a l'air de... Je pense qu'il a fini. Il a fini, ouais. Cogito au stand, c'est Finito aussi. C'est Revax qui... Qui ont tout relancé au banking. Je vois Lija en. Oulala. Lija encore une fois en. En spin en, là. En mais... difficulté. Haute baissée, voilà. Bon, hop, les As, ça va être compliqué. Même mais si c'est Lija passé hein, pour l'instant. Ouais, ouais. C'est passé. Et le Duc, tour annulé. Revax, il a spin donc c'est pareil. Cogit, il est au stand. Airborne, c'est fini, tu m'as dit. Et il y a Falcao, il lui reste combien de temps là pour relancer? Est-ce qu'il a de l'essence? Ah non, c'est foutu. Ah, c'est fini, Falcao, c'est foutu, il a coupé. Dans le premier secteur. Ah, 11e. On a nos 10 qualifiés là. Regarde les 10, 11, 12 là, le passage en Q3. Ouais, ouais, on l'avait dit. 30.3 et j'entends mon père derrière qui vient crier. Waouh, oh le but. Donc pour les amateurs de handball ou de handball. Il y a la France qui joue sa demi-finale sur TF1 contre la Suède, mais place à la CFFR. Ah Bastien, il a besoin de toi là. Apparemment, il demande comment on fait un last to first. Alors, il a besoin de ton secret. Il suffit de porter un Starwell pour laisser de la place à ces grosses. Voilà. Je n'ai pas dit le mot, comme ça la CFFR elle reste libre. Exactement. C'était le mot bowl. Voilà. J'ai pas dit le mot hein. Bah, en anglais ça veut dire balle, y'a pas de galère. Ah non, regardez. Et entre temps, y'a ouais. Bero hein, Bero qui a calé un petit 29.555. Tu pars dans A, tu pars en A, tu laisses tout le monde se crash. Et... Mais je t'ai dit Bastien, c'est exactement ce que Papy Lolo te dit. Il faut être présent à la safety car tour 20. C'est tout. Tu les laisses, tu t'embêtes pas, tu pars dans le fond là, surtout pas aller les chercher, tu doubles que dans la ligne droite parce que les autres endroits ça va être galère. Et puis elles viennent que pourra, en fonction des safety. Bon courage hein. Et du coup on le rappelle, hein, sinon t'as coupé, on le rappelle là, Revax il avait pris 5 places hein. 5 ouais. Places sur la grille, donc il partira 19ème hein. Il est terrible. Ouais, ça fait mal. Je me prends des fourries par le jeu, tel est mon destin. Pas besoin de la commission Revax. Plus besoin. Donc attends. Bero deuxième. Super chrono. Bero. Non, Raven en 29-2 là qui. Raven, hein. On l'a vu la semaine passée à Bahreïn, un gros potentiel de vitesse. Pourrait presque faire partie hein, du groupe élite. En tout cas, on lui souhaite pour une prochaine saison. Et avant tout, finir ses courses. Choisir les bonnes stratégies pour gagner. Et gagner ce titre en expert. Cogit out. Alors, est-ce que je pourrais défiler pour toi oui, je crois. Oui, Cogit 13e. Hein. Raven, Bero, Fabibous, Panish. Et toute la clique passe en Q3. On va les retrouver tout de suite. Bah Bastien, la bataille fond de grille avec Revax, peut-être pas la meilleure option. Hein
que si vous voulez aller jusqu'à au tour 20, la safety du tour 20. Ah, on a un tifosi en la personne de Papy Ludo là, supporter de Cogit. Il te reste pas de Ferrari, pardon. Il reste des Alphas qui restent là. C'est reparti. C'est Arsenal hein, qui il me semble hein, qui est remplacé par Dadouche hein, chez Alpha. Hein. Oui. Arsenal ouais. Et Béro qui sont habituellement. On a que enfin, habituellement pour la deuxième course là qui sont de la même écurie. Petit Wood le premier à s'élancer. Et oui Revax, déjà fini en GP. Tout à fait. Ah oui, un fan de Chemi. Il y a de plus en plus des fans de Chemi. Sûrement un fan de Sparco du coup j'imagine, hein, Papy Ludo. Mmh. Les chaussures vertes à Chemi, l'emblème. Un emblème de victoire. Donc, tu vois qui toi faire la pole là. Alors, Raven nous a montré un gros gros rythme. Mmh. J'ai toujours confiance dans le Sprint G. Il y a également Mister Jack qui a montré de bonnes choses. Et c'est ça. Je vais te citer presque tout le monde parce que Spanish oh, ça... aussi est très fort. Ouais. Très serré à Fabibou. Véro aussi qui a signé le deuxième temps. Ils sont tous capables là et c'est celui qui aura les plus. Le plus de courage pour parler proprement, c'est celui-là qui fera la pole. Et je vais peut-être suivre une des deux Red Bull. Ah, je sais pas. Ouais, j'ai mis sur les Red Bull. Je vais suivre devant. Ouais. Sur les Red Bull, je vais regarder devant la Béro et Tilou qui se. Ah oui, on a Béro devant, bah tiens, parfait. Ouais. Béro en plus, ça va être le premier à s'élancer. Tiloud, il a lancé très proche de Béro, peut-être pour profiter. Enfin, je crois pas qu'à cette distance on profite de la speed. Ouais, mais sûrement trop proche. Parce que... Attention, ouais. Attention, c'est une erreur de Béro. Mais non, mais même sans erreur, là, dans le premier secteur, il va se faire déventer. Ouais, j'en ai fait aussi. Ouais, tu perds très vite le. Tu souviens. Ouais, très rapidement. Même si t'es pas victime du trafic, ici. Il suffit d'être derrière pour la perdre bêtement. C'est probablement une leçon qui va le doubler toi avant la ligne finale. J'espère pas, c'est interdit. Mais... Ah mais oui, Papy Ludo et Sparco Orange, mais c'est l'équipe des Sparco, l'équipe pas soumise. Coup de zéro, il nous fait un tour très propre là. Hein. Je vois ça. Surveiller un peu les deux Red Bull. On a une bonne trajectoire. Une minute 2.1 hein, pour terminer le deuxième secteur, c'est costaud. Une 2.2 Raven. Okay. Ah, Sprit G qui a coupé, enfin qui a relâché en tout cas. Il aura assez de chance pour relancer tout de suite, c'est pas lui. Oh, ça commence bien. La Nitty Lood, en 1.30, sur Jack, 1.29.5. On les aura nos 28 là, ce soir là, c'est pas lui hein. Ça bibou en 1.30.1. Déjà en 1.29.8 et Raven en 1.29.9. Attention Dadouche, pardon je t'ai coupé, il va arriver avec un gros chrono parce qu'il est en 1.08. Ouais, c'est... En 1.8 pardon. Ça sent le 29.6. Allez. Et Raven n'a jamais dit. Point croix. Il y a de la concurrence. Hein. Il y a de la concurrence. Et le dernier à pas avoir mis le chrono qui est en piste. Ici Spanish. Qu'on va suivre. Vas-y Morital, 1.1. Oula, attention. Mais attention, qu'est-ce que c'est que ce genre de chrono là? Il a tout mis. On a raté le tour de l'année ou quoi? 1.1, Spanish. Numéro 10 comme Pierre Gasly. Qui sera numéro 10 dans nos cœurs, Spanish, j'espère. La bonne réaccélération. Allez, le 1.28, il est peut-être là. Non. Mais si. Ouh vamos, oh là là vamos là là. Spanish.
Il hérite à Lille, le reste. Superbe tour, Spanish. Ah, là, il met la barre haute, hein. Il met la barre haute. Il y a des pilotes qui, à part de faire un 28.5, hein, ils n'avaient peut-être pas des pneus neufs hein, sur le premier stint. Alors, Raven. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il a plus d'essence, Raven. Ouais, de toute façon, tous les autres vont rentrer au stand ou. Et ben, on va se mettre avec Speedy qui, lui, est déjà reparti en tour de sortie. Et bonsoir, Flartiste. Du beau monde en qualif, miam miam. Et du beau monde dans le chat, puisque vous êtes 24 000. Elle est vraiment tellement bien cette blague que je vais la faire toute la course. Ah, et ça coupe. Ouais. Il a voulu tout remettre. Ouais, ça pardonne pas ce secteur. Hein. Bah là, c'est le moment de faire la pause, donc t'as envie de tout mettre. Alors, j'arrive pas à voir d'ici. Est-ce qu'il a deux. Et oui, il a été malin, il a mis un peu plus d'essence que prévu, je crois. Hein. Il a 2,6 en haut, je suis pas sûr de bien voir. Comment tu. Ah oui, d'accord, sur le volant. Ouais, 2,5. Ouais, donc je pense qu'il a été malin et qu'il va pouvoir relancer. Ah, mais oui. Non, alors. C'est ça, hein. Juste imbécile, il était en tour de sortie. Donc il est parti avec 2,7. Ah oui, bah oui. Minimum. Ah, les mauvaises infos là. Les mauvaises infos. Et moi en plus, je suis quoi. Ah, désolé, je t'ai trompé. Aïe. Quel tour, Maxou, tu nous supportes qui, Maxou? C'était pour Spanish. Et en effet, le 28-7, il est mignon. Mais si tu veux voir un très beau tour, je te conseille de rester dans la minute 28 qui va rester là. On a une Red Bull qui s'élance, casque noir. Est-ce qu'on va pouvoir bien voir son casque là? Oh, le casque noir du guerrier, Sprit G, piste libre. Et que trash court autour de sortie. Seul au monde. C'est parti le Sprit G. Vive le premier secteur avec lui. 5 minutes dans ce. Oui, le premier enchaînement. Non, il a le temps, hein, Il a le temps. Alors, ça doit être rageant pour lui, ce qu'il le sait. Il le sait, il a le potentiel, mais. Spin dans le premier secteur pour Sprigi. Il l'a perdu tellement facilement, je sais pas s'il a pris un coup de raquette. J'ai pas fait attention. Mais... Il veut tellement faire un gros tour qu'il en met un poil trop peut-être. Et on va être avec Trashco. J'espère que les fans de Trashco sont encore là. 4 minutes, je sais pas s'il lui reste un train de pneus neuf, mais il peut ressortir en tout cas. Ouais, il n'a pas dit son dernier mot. Des trains qu'il a peut-être pas flingué juste avant, mais ça sera du coup un one shot pour lui hein, pour ne pas partir 9 ou 10. Oh, bien négocié hein, ce premier secteur, Trashco. Ouais, pour ça, ça fait quel temps ça. Joli. Tous les 33, c'est correct, ouais. L'élite qui ira sûrement tous les 32 au premier secteur, mais on n'y est pas. Tiloud. Et 29.8 pour Lija. C'est vrai que je suis focalisé sur ce que je regarde, j'ai du mal à tenir au courant des autres tours. J'ai pas vu son secteur 2 là, Trashco. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, 1.8 je crois. Ça devrait taquiner les hommes, les 5 hommes devant au moins. Savoir quelle place là-dedans. C'est un bon temps, très bon temps. 29.6. Il se place 4ème pour le moment. Bonsoir, Isaltar. Bonsoir même. Faites-vous le gros premier secteur là. Solide. Il manque cramponné au volant. On abandonne pas le tour en allant chercher trop loin. Ouh, 4 dixièmes. Bon après il est en 30.1 mais. 4 dixièmes, seulement sur le premier secteur. Après on gagne beaucoup moins, sauf dans les ressorties de chicane et la sortie de l'épingle. Parce qu'après sur une ligne droite, bon.
bien frôler le mur ici, t'as du boulot. Et deux Red Bull sont sortis en même temps. Toutes les deux en tour de sortie. 7 dixièmes maintenant d'amélioration, une 1.5. Attention, Fabibou. Attention. Tilloud qui vient de faire un 29.6 là. Il vient d'enlever la 4ème place à Trashko. Ouais, ça sera son dernier tour à Tilloud, je pense. Hein. Ouais, ouais, sûrement. À moins qu'il avait pris assez d'essence. Non, non, il a pas assez d'essence. Joli, Fabibou. Joli. Eh oui, très beau temps. 29-0. 29.2 Mister Jack, mais il était déjà. Là, il relance un tour. Il relance. Eh ben, c'est reparti. Avec lui. C'est zéro qui est en tour de sortie. Il y a Dadou qui est juste devant. Oh, Dadou. Oh, mais il a même mordu le vibreur et ça m'étonne qu'il ait pas été annulé. 32.8 pour Dadouche. Oh merde, non, qu'est-ce que je suivais, Mister Jack. Raven sur la ligne. Ah non, pardon. Non, non, ah si, 29.9 est... non, 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 il lance. Il lance son tour, pardon, pardon. Ouais, c'est ça. Il lance son tour, j'ai vu meilleur tour, mais. Il peut faire mieux, Raven, largement. Il est juste devant. Ah, ouais, moi je vais rester sur Dadouche. Ok. Dadouche et As. Il y a Lige Addiction avant qu'il va passer la ligne. Ouais, ça négocie bien le dernier virage. Spanish va lancer aussi. Hein. Coleman pour l'instant. 29.7. Pas beaucoup bougé. Oh, j'ai vu un Béro. Béro qui la perd. Ah, j'ai pas secteur le temps de mettre l'alarme malheureusement. Elle a tout donné, peut-être un peu trop. Attention, Spanish qui arrive sur lui, est-ce qu'il va le gêner, Béro là? Ça a l'air d'être passé pour Spanish. Raven 5 dixièmes là d'amélioration. Attention, normalement on a une seconde, une. Oh, je sais pas si c'était sur Raven, mais là il a joué avec le feu. Hein. Il y a un gros temps à venir de Spreegy et de Raven, je pense. Bah, Raven ça joue la pole là. Ok, ok, bah il sera juste Spreegy à passer. Ouh, Spreegy 29, ouais. Je sais pilote en 28. Et Raven 28-8. Oh le aïe aïe aïe. La première ligne Red Bull. Et pourtant, regarde qui arrive, Spanish, je sais pas si t'es dessus. Ouais, je me suis rendu. 2 dixièmes d'amélioration. Oh le coquin, oh le coquin Spanish. Il a plus rien à prouver. Et pourtant. Il a rien à prouver, peut-être que c'est le meilleur. Est-ce qu'il va 28 voilà. Super, il confirme. Attention Béro. Non, Béro, c'est pas bon. Non, Béro, et du coup, il a spin secteur 1 et voilà, il pardon. Fait. Pardon. Puis, il fait des petites donuts là. Ah, Béro. Ah vas-y, Béro, montre-nous. Ah, trop tard. Ici, là, il y a la place. Ah, ici, a... Béro, ici. Le... Oh, dommage. Bah, du coup, c'est terminé, hein. On a les deux Red Bull là, 2 et 3. Et l'Alpha Tauri 1. Est-ce que Dadouche est en tour lancé? Non. Non. Non, non, il a. Ouais, il a fait un beau 29.0 Dadouche. Il est réserviste, hein. C'est un très beau temps. Hein. Ouais. Il entre dans la CFFR par la grande porte en Q3 et 4ème. Attention au début de course de ne pas aller gêner les titulaires. Hein. En étant réserviste, il faut être encore plus précautionneux. Ce serait dommage de ternir cette belle qualification. Honda en force. Ouais, c'est vrai, 3 moteurs Honda sur les 3 premières places ce soir. Spanish, Raven et Spreegy. Spreegy qui aura réussi sur un seul tour, réussi à se positionner 3ème. Son compère Raven 2ème. Ah, tu vois, on avait parlé tout à l'heure de. Tu avais dit les deux Red Bull, bah de Spanish est venu, le Rital. Eh ouais. Se mettre juste devant. Félicitations Spanish. Tu le mérites. Très belle quali. Il a même été usé un pneu de soft pour humilier la concurrence, quoi.
Là, il fallait passer sous les 28, hein, ou se rapprocher des 29-0, en tout cas pour les 5 premières places. En tout cas, tout le monde sous les 1 minute 30 là. Ouais. Il y aura pas beaucoup de... il y aura pas beaucoup de temps avant le Grand Prix là. Hein. On fait des stratégies et puis ça lance. Hein. C'est... Il n'y a pas de pause. Hein. Avec le tour de chauffe. Tour de, non, de sortie. Oui, tour oui, de chauffe, oui. De formation. Mmh. J'espère que cette qualif vous a plu. Est-ce qu'on pourrait se prédire ensemble un petit vainqueur là? C'est des vraies prédictions. Tant que la course n'a pas commencé, c'est plus compliqué. On aurait tendance à miser sur un des trois de devant, peut-être. Ouais, et... Après, moi, je verrais pas... bien. J'y pensais avant le GP, ouais. Parce que j'ai déjà roulé un peu avec Dadouche. C'est un pilote très propre, qui a un très ah bah régulier, super, bon ça. Rythme. Je le verrais bien nous surprendre ce soir. Ce serait la belle histoire. Réserviste, c'est son premier Grand Prix à la CFFR, il me semble. Il me semble, ouais. Il a, je crois qu'il a pas roulé à Bahreïn. Je pense que tu es un bon juge. Donc si tu le penses rapide et propre, ça devrait porter ses fruits ce soir. J'espère qu'il sera pas trop dans la précipitation pour nous prouver ce qu'il vaut. Faut pas qu'il oublie, ouais, il a rien à prouver si ça ouais, mais... propre et rester dans les points. Franchement, s'il reste quatrième en étant propre, il aura tout prouvé. Eh oui. C'est ça. On trouvera qu'il mérite sa place en tant que titulaire. Il y a un pilote qui a appuyé sur prêt direct, pas le temps de faire deux ouais, c'est ça peut-être commence une... Est-ce que ce serait pas un misclic là? Ah bah là, c'est... ou un misclic ou une volonté de nuire. Ouais, peut-être quelqu'un ou l'autre. Qui a vite, vite appuyé. Donc là, faut vite choisir la stratégie, enlever les sens, oh, oui. Tout. Qu'est-ce que tu peux faire comme strat ici, bah, par hard, medium, medium, hard, ouais. Soft, hard, je sais pas si ça passe, c'est peut-être pas très intéressant sur Jeddah et soft. Écoute, hier soir j'étais à Kota, circuit des Amériques, il y a un pilote qui nous a tenté un soft, medium, medium qui est plutôt bien passé. Ah. Mais parce que pourquoi pas, hein. y a eu aucune safety car et les c'est vrai que les hard ont un peu de mal. Ouf. Oh bah tiens. Ah qu'est-ce qui se passe là? Bah alors. C'est Mini Crève qui. Ah oui, ils sont restés sur la ligne, d'accord. C'est peut-être normal. Ils sont restés sur la ligne ou est-ce que. Ah non, du coup ils ont été repositionnés sur la ligne directement, ouais. Ouais. Ah oui, je sais pas. Est-ce que c'est tu pars en pneu froid avec les pneus froids oui, je comme crois ça que c'est toujours pas réglé. Aïe. En plus, c'est les deux Williams là! Ah bah tiens, mon coéquipier, un génie, nous dit Williams, il me rentre dedans. Et Williams, c'est très rapide hein, pour mettre un petit mot dans le chat. Et Flartis qui nous. Lui, se lance dans le jeu des prédictions, nous dit petite piécette sur Spanish. Spanish, Papy Ludo, ouais. Papy Ludo, évidemment, qui va nous parler sur Shumi. Alors, franchement, si Shumi. Là, on fait tomber le slip. Hein. Là, si Shumi, il gagne de là. Et Bastien, encore plus, hein. Mais après, il peut y avoir beaucoup de faits de course ce soir. Ah, il peut y avoir beaucoup de safety car. Hein. Beaucoup. J'espère qu'il y en a, parce que le circuit est long. Enfin, tu vois, sous safety tout, ça peut être drôle. Hein. Puis on parle pas de la météo. Hein, il serait étonnant qu'on ait de la pluie. Mon pédalier a bug. Pas, hein. Sorry, je reboot le volant. C'est ça, Mini Crève, tu voulais que toi et les Williams partaient en pneu froid. T'inquiète. Bah, comme par hasard. On a compris. Mais faut surveiller hein, également Lija. Hein. Lija. Ouais, carrément, le leader du championnat qui fait des courses ouais. Solides. Il a fait ses preuves sur la première course. Puis Bastien, on va voir quel départ il va nous offrir. Voilà, pour ceux qui partent en médium, ça sera un arrêt entre le tour 11 et 14. Spanish qui drift à foison. Hein. Il est fait bien chauffer les gommes. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis là peinard, je regarde le tour de formation comme un viewer. Et les pneus, j'y pensais, l'artiste. Ouais, je voulais en parler d'ailleurs. Vas-y, il y a je te beaucoup, laisse, c'est du médium. Jusqu'à la 11e place, médium. Airborne Cogit Hard. Et le Duc jusqu'à Mini Crève, médium.
puis hard, hard, medium, Bastien. Ok. On va voir ça. Changement, je vais rester sur changement de position. On va se placer au milieu. Aucun détail pour ma part. Je vais mettre avec qui moi, tiens. En on-board avec le Spreezy. Ah, non, mais non, avec Danouche, tiens. Attention, hein. Soyez prudents, je sais pas si vous nous écoutez les pilotes, mais premier enchaînement, premier secteur, là, ça va être très, très rude. C'est parti. 3, 4, 5 feux, et c'est parti pour ce Grand Prix de Jeddah. Le bon départ de Danouche, et le bon départ de Raven qui va jaillir devant Spanish. Il a pas été trop imprudent. Attention, ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'incident. Pour l'instant, c'est propre. Félicitations messieurs, un beau départ, sans accro, mais on n'a pas encore passé le premier tour, donc il faudra peut-être que j'attende. La douche, hein, très bien, très propre, dans le diffuseur de Spreezy, et je pense que ces quatre là ont commencé déjà à mettre une seconde, hein, c'est ça, sur Piloule, attention drapeau jaune, non c'est bon. Il y a une petite cassure au niveau des pilotes en 1-3. Ah. Ouais, attends, bah, y a de la bataille, je vais rester non, non. Y'a rien, y'a rien. Et derrière Lydia et Mr. Jack. Tilout qui a fait un. Tilout qui a fait un beau départ là. Oh là là, le spin contrôlé de Lydia. Ah de ouais. Lydia. Et il ouais. Contrôlé, il attend bien, tout le monde l'évite. Pas de safety car, merci. Et bah, il veut son last to first. Hein. Ah bah Lydia. Oui. Mais Félix termine par dernier pour faire le last to first. En tout cas, niveau départ, là, il y a Tilout qui a gagné deux positions. Péro 1, Cogit 2, NY 5. Bastien qui remonte tranquillement à la 16e position, ainsi que Shumi à la 14e. C'est très prudent, hein. Je crois qu'il n'y a pas eu de contact. On va voir si non, personne non, rentre au stand. Et Aidadouche qui se décale sur Spreezy peut-être. Il se montre offensif en tout cas, et ouais. Pour le reste, on a un joli frein de DRS, plus ou moins. Hein. Ouais. Par contre, je sais pas si tu vois Danouche bugger au niveau de l'écran là. Non, tant que pas, pour ça l'instant va. En tout cas. D'accord. Il a surveiller. Bien pris, là. Il a bien ressorti avec ce premier secteur. Panic qui commence un petit peu à creuser, et je crois qu'il ne tape même pas dans le DRS. Raven un poil, on va pas dès le début perdre le DRS. Il est également relégué à une seconde de Raven, ils sont en train de pousser les Red Bull pour rattraper la Honda d'AlphaTauri. Derrière dessus tranquillement, peut-être un meilleur rythme ou plus de vitesse de pointe. Et oui, ouais, Spanish qui s'envole. Ouais, Danouche il n'utilise pas le RS et en ligne droite, on dirait qu'il rattrape un petit peu, peut-être avec l'aspiration, il rattrape Spreezy. Je pense que le but pour Danouche, c'est de semer Tilou, de sortir du DRS, ouais, dans un premier temps, sortir c'est sûr. Son DRS et s'enfuir là. Ouais. Est-ce qu'il va tenter là? Il est très très proche, et oui, hein, il y va, il ose. Il le met le RS. Et oui, s'il est plus rapide, pourquoi pas. C'est fait proprement, rien à dire à l'intérieur. Oui, le Danouche, bah, t'avais raison dans tes pronostics, il a l'air très en forme Danouche. Et oui, est-ce qu'il va aller chercher Raven maintenant? Peut-être un peu tôt. Spreezy est un peu en difficulté parce qu'on a déjà Tilou qui pointe à 2e. Et oui. Il a mis quoi dans sa flasque Spanish? Ouais, c'est vrai ça, c'est 2 secondes, ouais. Ah, ouais. Spanish en grande forme. Ouais, là. 3 tours de seconde, c'est pas mal. Hein. L'homme des qualifs est peut-être l'homme du Grand Prix. Hein. Espérons que des safety et autres faits de course ne jouent pas un tour ou un spin. Et il est promis une belle victoire ce soir à Jeddah. Et on en est qu'au 3e tour, donc on va peut-être pas lui porter tout de suite. Oups, pas son stylo. Ah oui, ça veut. Ça veut rien dire. Hein. Ouais, tu tapotes un mur en dégâts de simulation, tu peux vite allumer une élève hein, pour pas grand chose. Ouais. Et sans aéro ici. C'est pas compliqué. Ah, petit drapeau. Oh, et Williams et Revax
Ouh là là, regarde les éjections. Aïe aïe Oh aïe. oui, Ah oui, il est oh obligé de y a un slalomer la safety slalom, car. ouais. Hein. J'allais en parler en plus, safety car ou pas? Secteur 1, 2, 3, je pense que c'est une safety Ouais, car. on voit le petit rond jaune sur la map, safety car. Bah J'allais en écoutez. parler, j'allais le dire, Spanish, c'est bien d'avoir 2 secondes, mais attention, safety car. Au moins, il devrait les garder. Voilà, safety car, contact et 2 DNF. Ou Danus qui Alors, quitte la session, attention! Ah, Attention, ouais, ah, ah, t'es. oui, mais c'est peut-être à cause de sa connexion, hein, peut-être qu'il va Oui, reboot. ouais, tes doutes étaient confirmés, viennent d'être confirmés. C'est Spanish qui va se ranger derrière la safety car. Désolé Rayvax qui dit Williams dans le chat, donc peut-être qu'il a spin et puis qu'il a emmené, je ne sais pas, on n'a pas vu. Alors on Il a seulement sera. deux pilotes hein, qui tentent l'arrêt au stand. Est-ce que c'est pour des dégâts? Parce que là les hard 20 tours tu finis pas je pense. Donc personne ne le tente en tout cas pour l'instant. Sachant que la personne s'est arrêtée, ouais, c'était derrière. Ouais, non, ça bénéficie à personne. Hein, là, cette safety car. Si peut-être l'Ijadixur qui était loin et qui maintenant avec des pneus neufs, bah d'ailleurs il vient de chausser des hard. Je sais plus s'il est parti en medium ou en hard. Ija. Lisa, tu peux aller le voir, mais je pense que Ah oui, s'il passe ouais. les Je s'il vais passe les regarder. hard, parce que si je le mets, ça va faire dégueu, ça va faire un star. Directeur de course. S'il passe les hard, c'est qu'il a dû partir en médium. Dadouche qui rejoint. Hein. On espère que ça tiendra. Donc 9 places de perdu pour Ligia Dixur. Eh oui, eh oui. Donc du coup, on a Choumi qui s'est arrêté, qui était en hard, qui a mis les médiums. Il est combien, Choumi, là? Il est 17e. 17ème, donc c'est pour ça, je pense qu'il veut mettre des médiums. Il a raison, il a pas perdu de place. Et puis l'Ijadixur qui est passé de médium à hard. Ah, et Donc Papy Bleu qui a l'air de lire clair dans la stratégie de Choumi. Il va nous mettre hard et finir plus tard en médium. Et je pense que c'est un bon choix pour ceux qui sont derrière. En tout cas, il n'a pas perdu trop de position. Ouais, C'est vrai que c'est assez malin de sa part, ouais. au moins il a fait son changement de De pneus et gomme, ouais, puis c'est s'il y a ça. une autre safety car il pourra se mettre en soft ou peu importe. On a Bastien qui a gagné 6 positions. Partait en fond de grille après une casse en qualif. Alors c'est regrettable que quand tu casses en qualif, tu pars derrière les fonds de grille, tu vois, malheureusement. Ouais. Il est parti 20e. Et puis il y a Kojit et NY très énervé qui ont gagné 5 et 3 places. Ah bah tiens, Ah, Bastien. Bastien qui a entendu le call. Pourquoi mettre l'herbe? Bah je pense qu'il s'est dit Ouais. là c'est l'heure de suivre le Il call. Le call a. Ouais, il du a rien cassé, Pedro. hein. Non Il a non rien cassé, donc. il a rien cassé. Et s'il a cassé et qu'il a oublié de changer l'aileron, c'est regrettable. En tout cas, il va mettre les hards. J'imagine hein. J'imagine qu'il va mettre les hards Bah oui, Bastien. c'est fait, c'est les hards qui sont mis. Et bah dommage pour lui qu'il l'ait pas fait au tour d'avant, il aurait eu 2 positions de plus. Ouais, Mais peut-être qu'il bon, se retrouve c'est en à 20 tours. détail. Bon, écoute, il veut faire le double last touffer. Exactement. Félicitations à lui. Devant, c'est plus ou moins un statu quo. Il y a Squeezie qui a perdu une position. Tiloud qui en a gagné deux. Est-ce qu'on Ça peut quitte pas relancer Bibou là. et Mister Jack? Je pense que ça devrait relancer. Bastien va rattraper la meute. Ouais, La très safety qui est facile. très très lente hein, sur ce circuit. Je pense que ça va être compliqué de chauffer les pneus. 2 GP, 2 grosses malchances, c'est un truc de malade. Bah t'as l'air de bien le prendre en tout cas Revox. Oh la bonne soirée de Revox. Ah bah s'il y peut rien de toute façon, Bah ouais, c'est ça le faut pire. pas s'attarder dessus, hein. Reste avec nous, profite de ce live. Reste avec les 25 000 autres spectateurs. Ouais, on est très nombreux ce soir. Très très nombreux, excessivement nombreux. Ah, derrière ça. Oula, Dijadixur sur et Bastien, il y a un truc là. Dijadixur sur a quitté la session. Ah. Et du coup, c'est Bastien qui est passé devant? Comment il a fait? J'ai raté un Que truc. Dijadixur sur était sorti. Et Bastien Bastien? a. Ouais, Ah, il essaie de Bastien, il laisser relaisse passer, passer. mais. Il relaisse passer, Alors Bastien. c'est fair play Bastien, mais comme l'IG a quitté, la safety relance, Oui, là mais t'as un peut-être IA qu'il. devant toi, ah peut-être qu'il devait à tout prix les. Non, à mon Oh avis, il devait absolument laisser passer. Hein. Il a voulu passer parce qu'il l'a vu en botte, mais. Écoute, Là, c'était 10 secondes sinon, si.
Ouais, mais Bastien qui essaie de passer, mais non, tu pourras pas, tu pourras ouais, pas. je vais me mettre avec Sois Fabi, c'est patient. reparti. C'est Et oui, reparti, c'est Fabi qui reparti a devant relancé. déjà. Et oui, NY. Comment il a fait? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait à gauche? Il y a eu le Non. contact là. Hein. Exactement, qu'est-ce qu'il fait à gauche? Je sais pas comment il a fait, mais il a certainement eu le contact là. Tu peux pas perdre la voiture tout seul. Et juste un drapeau jaune, pas de safety car, pas de Ah virtuel. ouais, généralement, juste après une relance. Et regarde. Alors, dis-moi. Regarde Spanish déjà Allez. dans le premier secteur. Oui, il J'avais fait deux déjà secondes la d'avance. diff. Et ben, en moins d'un tour, j'en reprends une seconde 3. L'homme de la soirée, Spanish. Alors, ouais, et Dadouche qui reste collé, et Spritji qui. Pareil, hein. Ah non, ça va. Une Alors, seconde, ouais. Cabrosa, si tu peux envoyer une invitation à Ninja, au cas où. Et bah, je vais le faire tout de Top. suite. Impeccable. Tac. Merci Tati Ludo, on n'avait pas pensé. C'est bon. Ouais, non mais pas besoin de détailler autant, on n'est pas bête. Merci Et Papy bah. Ludo. C'est bon. Ouais, Spanish qui a déjà pris. Qui a déjà mis une seconde 4. Attention Dadouche. Ah ouais, Dadouche, je pense que ça touche les murs sur la connexion, elle est pourrie, hein, mais ça doit sûrement être expédié. C'est déjà relégué une seconde. Bah, Tiloud lui va passer à l'attaque hein, sur Fuji. je suis désolé, je vais peut-être embêter tout le monde parce que je vais inviter une nouvelle invitation dans le groupe. J'espère que ça aura gêné personne parce que je veux pas Ouais. inviter les Jadixure uniquement. Alors, Non, je vois Bastien une est. Dadouche. Qu'est-ce qu'il Ouais, fait, Dadouche? mais Dadouche. Alors, si c'est ce que je pense, Dadouche qui est fair play et qui Ah, il a sent sa. cassé. Ouais, qui. Soit il a cassé, soit il sent que sa connexion est pourrie. En tout cas, c'est quelque chose de très fair play qu'on voit là, de perdre sa troisième place pour ne pas gêner tout le Alors, monde. pourtant moi je le vois pas bugger, mais peut-être que lui voit tout le monde bugger, hein, si lui il a une mauvaise. Oh, Je il t'ai joue dit en tout à deux de l'heure, fond là. Oh là, il y en a un. Oh, c'est bon. Ça n'a pas l'air de Castéon. Dadou, j'ai cru qu'il a tapé un peu plus tôt dans le tour et. Bah D'accord, après, ouais. enfin, il suit Et quand même. Tiloud, hein. Ouais. Tiloud dit qu'il est passé sur Spritji, hein. On l'a pas vu, mais. Eh oui, Il y a deux monsieur. Aston qui font pression. Je t'ai peut-être montré, je me rappelle plus avec tout ce que je regarde, mais il était chaud, Tiloud, hein. Ouais, bah il a un peu de mal là, Spritji, Ouais, mais. complètement, il est en délicatesse, il veut, je pense, aller au tour 20, à la safety car du tour 20, et pas tout donner tout de suite, mais s'il y en a bien qui donne tout de suite tout, et qui est au-dessus de tout le monde ce soir, c'est l'Orital. Un petit peu 30 secondes de gloire, non, 10 secondes, on va pas abuser. C'est Spanish là qui nous fait une démonstration. Alors, on voit même plus les autres. Si on se met avec lui, il y a quelqu'un derrière, il y a personne. Super, Spanish. Et c'est la deuxième Aston qui va passer, ou qui en tout cas va menacer Spritzy. Ça y est, DRS activé. Alors Papy Ludo, si tu veux savoir nos identités, là c'est Pedro la Rafale. Et Cabrosa va parler tout de suite. De quoi? J'ai pas entendu. Voilà, là c'est Cabrosa. Ah, d'accord, oui, ok, je viens de lire le Oh, chat. t'inquiète. Et Francisco qui Ouais. rejoint. Ouh là là, ça sent l'ingé course là qui arrive furtivement là. Il a rejoint la partie, je sais pas avec qui il est en audio, mais quand tu rejoins la partie là comme ça, c'est pour jouer l'ingé course. Alors au niveau des deltas, qu'est-ce que j'ai à surveiller là? Ouh là là, de douche. Ouais, Attention à pas Dadouche. faire une safety car, ce serait bête. Il Je a pense failli que la perdre, Dadouche, il est juste perplexe parce qu'il a une connexion qui est pas mais. ouf, mais. Ouais. C'est incroyable. Alors moi c'est pour moi c'est prouvé beaucoup plus que rester devant. Hein. C'est Ouais, super ça a de ce noté, qu'il a hein. fait. Hein. Ça a Parce noté, qu'on en a des c'est très pilotes beau qui de sa part. sont conscients de leur connexion pourrie et qui restent devant égoïstement. Là il a le rythme en plus, il les tient. Ouais, mais il a fait ses preuves là, même si c'est juste sur 2-3 tours. Et franchement, Il il a faut qu'il. montré que il Ah pouvait ouais. largement jouer aller en titiller les plus gros, hein. Pour moi, c'est tout autant prouvé en restant comme ça plutôt que d'embêter tout le monde. Tiens, on a dans les deltas assez rapprochés, on a pas du tout hein, sur ce qu'il dit. Pas du tout moitié Et de là, DRS. C'est juste qu'il dépense pas trop, juste pour défendre apparemment.
Et Tiloud qui, ça y est, hein, il s'approche de Raven, Tiens, il est dans le DRS. on va aller voir Philou dès le deuxième. Et Raven qui petit à petit se fait semer par Spanish, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Là, Spanish, on a envie que tu déroules. Ne fais pas d'erreur, mais montre-nous ta supériorité. C'est incroyable ce que tu Ah oui, proposes là. là. Là, faut assurer 3 secondes, faut gérer. Alors, est-ce que Tilly n'aurait pas un peu moins d'appui aéro que Ravel, qui est derrière de cette pierre, se met dans ce secteur 1 et regarde comme il revient dès qu'il y a Ouais. un petit bout de ligne droite. J'ai envie de te dire qu'on va le voir dans le secteur 3 surtout. Allez, c'est parti. Ouais, là où il y aura beaucoup plus de lignes droites, c'est sûr, mais on va rester avec Tilly, voir s'il revient. Déjà, là, il va avoir perdu le DRS. La Ouais, et détection là il l'a anti-glissée, pas. ouais, il l'a pas, hein. Il l'a pas, mais je viens de voir aussi, par contre, il a 19% de RS, hein, contrairement à Raven Allez, qui a 65, qui peut se il a défendre. mangeons. Bah ouais, mais Raven, s'il y a bien un truc qu'il aime, avant Ouais. pas qu'on commence à le connaître, c'est la C'est la batterie. batterie, hein, ouais. Oh, il aime ça, il parle pas de On le l'instrument de sait musique. tous. Il joue pas les percussions de Raven. On espère pas avec les murs en tout cas ce soir. Alors, oh tiens, hop là, une deuxième Aston Martin qui mangeons le Spritzy. Belle ressortie Spritzy qui va tenter tout de suite de reprendre sa place. Il va plutôt essayer de se faire tirer par Fabibou et éviter le zin de Fabibou. Il n'y a toujours pas eu de zin de Fabibou, attention. Maintenant c'est Mister Jack qui va menacer Squeegee. Petit trio là pour la quatrième place. Et alors ça rentre au stand déjà là pour le duc. Ok. Pourquoi je ne sais pas. Enfin quoique c'est 10 tours sur les médiums. Bah ouais, Et c'est. Alors il il y a eu pue la le petit safety, V. mais Ah bon. c'est bon. C'est bon, il est parti, c'était un bug. Ouais mais peut-être qu'il sentait que ses pneus étaient pas en très bon état. On va bientôt avoir besoin de la NASA pour suivre Spanish à la vitesse où il va. Oh, bah, Et j'essaie Fabibou? de varier un peu les plaisirs. Hein. Ouais, parce qu'il y a, y a Qui est les trois de passé? devant, la Fabibou, Spriggy. J'essaie de pas Donc rester ouais. trop sur eux. Dans les deltas courts, il nous reste Bero, Trashco, bah, qui les suivent d'une Ouais, un petit seconde. train là. Il y a pas mal d'écart quand même, hein. Pas beaucoup de pilotes qui ont le DRS, je trouve. Ouais, les pilotes qui préfèrent prendre leur marche peut-être, ils n'arrivent pas tous à se suivre. Sur ce circuit, compliqué de se suivre peut-être. Franchko, lui, va passer à l'attaque sur son compère Mister Jack et essayer de le retirer pour revenir à hauteur de la Red Bull de Squeegee, je pense. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est passé cette histoire? Ouais, c'est passé, mais attention. Ça va être double Choumi. passé. Franchko s'arrête au stand. Ah, Oula! aïe aïe aïe. 5 secondes, ouais, Ça, normalement, c'est pour Mister synonyme Jack. d'une pénalité, mais là, je pense que. À l'entrée au stand des particuliers, allez, si. On peut essayer de. J'ai pas créé beaucoup d'essais, mais en arrivant très fort, on n'est pas obligé de traîner peut-être sur le premier. Une petite chicane. Qui a peut-être coupé simplement le virage, je sais pas. J'ai pas vu non plus. Et il ressort. Pas trop fait attention. Attention, pas du tout sur Tiloud. À l'approche du banking, consigne d'équipe, Tiloud, il se recale. C'est superbe. Choumi hein, qui enfin qui du coup qui est en médium là, neuf, un peu plus neuf que les autres et qui fait Il sa est. petite remontada, hein, et 11e. Il est en médium. Il était passé en hard pour la safety. Il est. Alors non, il était en hard et il est passé en médium. Ok, autant pour Et je moi. Ah pense oui. qu'il va aller au bout. Ah oui, bah alors. Désolé, Y a moyen. Papilido, ça semblait une bonne strat parce que je pensais que c'était les hards tout à l'heure. Mais là, les médiums jusqu'au bout, c'est. Vraiment une stratégie pourrie. Ça a repris. Ouais, ça a repris au 5e tour. La safety car au 6e, je sais plus. Donc, Il ouais, avait ça fait imposé 19 ou une. 20 tours quand même. Ouais, Ouais, sur les ouais, médiums, ouais. ça fait beaucoup. Dis donc, il y en a. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais il est en route pour le coup du soir. On va pas lui porter trop l'œil. Bah tiens, qui dépasse Ouais. à l'instant cogite. Ou. C'est bien Ça vient dire. exécuté. Ouais, Par ça vient contre, il a dire perdu le bonjour. DRS. Et Et ça ouais, du coup, permet ça à. repasse. Ouais, Et ça ouais, faut permet à pas, ça sert à Squeezie rien d'en de dépasser passer. ici. Ah bah. Oh, Bastien, il y va, ouais.
Ah, c'était un peu c'était osé là. On va rester sur les deux, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir une belle bataille dans ce premier secteur. Ouais. Bah tiens, qu'elle est à l'aise hein, pour mettre l'impression comme ça. Shumi qui est passé sur Airborne. Ou wow, quelqu'un a été au stand. Mister Jack encore? Qu'est-ce qu'il fait? Il chausse les médiums. Il va purger sa pénalité de 5 secondes. Ouais, malin. Ah, malin. Enfin. Ouais, parce que... Pour la peine en tout cas. Il y a une safety car. C'était peut-être mieux d'attendre, pourquoi pas, une safety car pour purger cette pena. Mais... Oui, peut-être qu'il estime que c'est mieux de le faire maintenant. A voir, on verra à la fin de ce GP. Parce que pour l'instant, avec Bastien qui nous régale là, et là derrière lui, ça revient. Shumi, Airborne, Minitel. Eh ouais. Et ne dépasse pas tout de suite, Bastien. Oh bon. Voilà, tranquillou. Surtout là, que... tu n'es pas de RS sur Rochard. Ah, il va dépasser là, il est trop proche. Il va y aller, je pense. Ouais. C'est pas bien, c'est pas bien. Oulala, il a oh, le petit trou là. Qu'il a trouvé. Une petite souris, Sébastien. Et là. Il a envie de se battre, hein. Tu veux rester devant, mais vite tout le reste. Ah, mais voilà, ça va être. Non, il ressent moins bien. Cogit qui soigne, ça relance. Ça relance, ça. Et. Ouais, oulala, ouf, ça rentre au stand là de partout. Devant. Ouais. Donc Bastien à surveiller, hein. Regarde, Bastien qui est troisième, qui peut aller au bout je pense, et avec là, ses hard de 8 tours. Et oui, c'est une safety car. Attention c'est... à la chauffe des pneus, hein. Sur cette opus de F1 là, les pneus froids sont très prestigieux, et même les médiums. Ah ben là en plus ça va passer des hard pour la majorité des pilotes, ça va se faire surprendre. Je regarde, secteur 1, j'espère que... Non. Ah. J'ai vu un point ah, gris. Spanish. Oh, non. Oh non, Spanish, pas maintenant. Terrible. Ah mais tu vois, alors. Avec les. Oh, ouais. Attention. Oh non. Mais attention. Aïe. C'est l'IA. Ça va. Il est passé Falcao. Non, c'est terrible. Oh non, dégueulasse. Et Raven qui se lèche les babines là. Hein. Il n'y a pas de safety car alors. Ouais, mais c'est maintenant Raven qui est en. Bon, Spanish, tu es le gagnant dans nos cœurs. Hein. Tu. Elle était pour toi, bah ouais, la session quittée tout de suite. Il a tellement voulu rester propre, il est resté en contresens du coup trop longtemps. Ce qui ouais, mais il avait pas le choix. Il s'est fait disqualifier par le jeu. Bah, il aurait peut-être pu reprendre, mais bon, c'était déjà trop tard. Raven qui va en profiter pour box. Et Bastien, qui nous tient Bastien les deux Ferrari. Il ne retient pas la leçon, hein. Et Bastien, oui, copier-coller de chaque tour, ils vont dépenser tout le RS. Mais Bastien, mais toi derrière avant le point de détection, là tu regardes le live. Je suis sûr que tu regardes. T'es le malin. Ouais. Malin. Sois malin. Il est minuit. Oh là là. Et ouais, mais du coup, ce petit duel là qui. En plus, ça l'arrange pas parce que lui il va aller au bout donc il use ses pneus. Il perd du temps. Il perd du temps. Et regarde le train-train. Et carrément Dadouche là qui est. Bon, il doit encore entrer au stand, mais la douche qui est cinquième là, il y a un petit train-train. Ouais. On va surveiller ça, hein. Pardon. Raven a perdu du temps sur son compère parce qu'il était devant Strigi avant son arrêt au stand. Et là. Son tour supplémentaire, bah écoute. Sachant que Raven, là, il a les pneus froids, donc il va encore en perdre du temps. Regarde comment il est là, regarde-moi ça. Il assure tellement. Ouais, mais du coup là, il a. Oh là, il a 4-5 secondes là. Ouais, c'est compliqué. De... Alors que devant, en... ouais, Prigi avait maintenant les pneus chauds et la confiance qui a l'air d'être. Shumi, ah, Shumi là sur Bastien, non, Shumi, oh là là, heureusement qu'il laisse la place que juste. Pareil, on les a déjà. Ah non, refaites pas ça, hein. Ils l'ont déjà fait à Bahreïn, hein. Bastien, reste une derrière. Fois, mais pas deux, hein. Derrière, tu les doublais deux après, mais non. Si, parce que là il a le DRS là. Ah voilà, là. Allez, Valenté. Pousse, oh là là. Attention, au point de freinage, il a peut-être fait le DRS. Il l'a pour moi. Il l'a. Et voilà, oh oui. Ça y est. Et c'est voilà. La bonne. Et bah voilà, quand t'es malin. Et regarde, voilà. Cogit qui arrive pleine balle par contre. Super, bon, Dadouche, c'est pas grave. Bastien, 5 vraiment secondes. Là, tu peux faire la prestation du soir parce que t'es devant. Il y a moyen que ça boxe pour des médiums, donc tu feras en fonction. Mais faut qu'il évite de se battre.
Ouais, parce que là c'est Fabibou qui est pas très loin non plus, c'est rien, 8 secondes en 10 tours. J'en ai marre. Ouais, d'accord. Ouf. Jésus, qu'est-ce qu'il est passé proche. Jésus, Marie, José Pérec. Oh, et ouais, bah ça y est, il a perdu. Ah, dommage, Bastien. Allez, c'est pas fini, il est encore dans les points. Thilou, il a rien de fait. Et Thilou, 3 secondes. Donc il a dépassé Stevie, mais pour l'instant il reste derrière au jeu des pénalités. Attends, on a loupé un truc là, Raven. Qu'est-ce qu'il fait au stand? Aïe, on n'arrive pas à tout suivre, il se passe trop de trucs. Pas de safety. Mais oui. Ça vient pas gâcher le rythme de cette course et j'ai du mal à tout suivre. Ouais, Raven qui. Mais c'est très bizarre là, la conduite de Raven, elle me paraît spéciale. Surpris des hard. Hein. Ou alors il y a un truc sur le fond plat, il a du mal à gérer. Je sais pas si c'était sur lui, mais. Non, bah, il est en fond de vie. Ouais. Et du coup, les deux Ferrari, hein? Deux Ferrari, deux Aston. Bon, il y a une Ferrari qui est pas rentrée, donc elle va pas rester là, mais. Rentrer, mais est-ce qu'elle attendrait pas une petite safety car cette Ferrari? Et ouais, ils ont 7 secondes d'avance. Bon, après. Qui se fait aspirer par Schumi. Kojit plutôt. Katilou, il va aspirer Fabibou. Eh oui, ça répond derrière. Bah tiens, il a pas tout perdu, hein, parce que j'ai l'impression qu'il a pas cassé. Il est en hard, il peut-être attendre une autre safety car ou aller au bout, mais ça va être complexe pour aller au bout. J'ai peur pour lui là, dans les derniers tours avec les hards de 20 tours. Ouais, attention. Déjà que là il a spin avec 10 tours. Ça c'est l'euphorie d'être passé premier, d'avoir réussi enfin à larguer les deux Ferrari. Ouais. Et Dim t'en est un peu trop et ça se dim, mais en tout cas une seconde neuf, on te rappellera de. Oh tiens. Ah non mais faut que j'aille. Non, ça va pas. C'est qui? J'arrête de regarder les gens, mais c'est n'importe quoi cette leçon. Bon, bah, donne-moi le live. Hein. Safety car. Attention, je pense qu'on va avoir. Mets-toi sur le dernier sinon. Hein. Spin of Banking. Bastien. Nous faisait. Mais Bastien, Spanish, tous ceux. Mais oh non, c'est bon. C'est bon l'alarme, on va se calmer. Tous ceux qui nous ont une super prestation ce soir sont victimes d'un abandon. Spanish pour disqualification. Bastien, il a cassé la roue. Et là, regarde, Forza Ferrari. Alors, oui, en plus j'en parlais. Pour faire le double box, ouais, t'en parlais très justement. Ça va être compliqué. Bah ouais, merci Choumi de t'arrêter en même temps que le collègue. Parce que non. Alors ça sera à tenir pour dimanche. Je pense que faut vraiment pas essayer de gagner du temps parce que la ligne a l'air très cruelle. Hein. Excuse-moi de te couper, mais du coup on peut voir là les deux Ferrari qui se bloquent. Et les deux Aston qui vont se bloquer également. Ah non, même pas, c'est très bien. Ah si, si, ça se bloque un peu. Mais c'est Sprit G qui va tenter quelque chose là en hard. Alors, tenter. Il y a une voiture qu'il faut pas dépasser. Sprit G, elle est devant toi. Voilà, ouais. Mais il faut pas rentrer dedans non plus. Il va rester quoi 7-8 tours. Ah ouais, la Tiloud. Hein. Ouais. Ah, Tiloud, il avait pris 3 secondes. Pneu chaud et bras congestionnés, oh l'autre. C'est quoi, t'as fait ta séance de muscu avant? Qu'est-ce que c'est? Bastien, c'est dommage, t'étais bien, on était en train de rêver. Et ouais, il a dit. Ouais, mais il était. Ouais, là, il pouvait mais largement aller chercher un podium, je pense, hein, parce qu'il avait. On l'avait vu 6 ou 8 secondes, je sais plus, sur Fabibou, mais il a perdu tellement de temps en se battant avec Choumi et Kojit. Surtout Kojit. Ouais, ça a chauffé. Sinon, parce que là, je sais pas, on va pas refaire le monde, mais en restant derrière Choumi et en restant sage, en attendant que Choumi rentre au box ou quoi. Mais oui. Voilà, il aurait pu. Alors après, comme il nous dit, on a apprécié, ça a fait des belles images. Hein, mais... oui, c'est sûr. Et oui, Papy Ludo, je pense que c'est ça le problème. Hein. Je vais pas lire ton message, mais je pense que c'est ça le problème de Bastien, hein. Congestion des bras, pas que. Hein. Troisième jambe également. Hein. Il n'y a pas que le nez qui est bouché chez Bastien. Hein. Dommage. Mais dommage, en tout cas, c'était un beau duel. Et ouais que ça. Alors,
À mon avis, ça va partir en cacahuète cette affaire, parce que je vais mettre les pneus, mais là on a des gars qui vont être en médium. Ah, les arcs devant sont pas si vieux. Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, non. Il a une petite, un petit bouclier là, j'ai envie de te dire, Spridgy avec mini crève ouais. d'Adouche. Avant la des médiums. Pas en attaque. Parce que s'ils s'attaquent devant, ils vont tout perdre. Alors que, à mon avis, là, faudrait se plier entre pilote en hard. Mais du coup, Dadouche, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que il va rester là sur. Parce qu'il était rentré, hein, on le rappelle tout à l'heure, il avait laissé passer tout le monde, pour à cause de Sako, certainement. Il va le sentir au niveau de son fair play, je pense pas qu'il va tenter de folie. En plus, il a 5 secondes de Pena. Après, bon, 5 secondes. Ouais, il va rester. Ah oui, bah là, ça va relancer prochain tour, donc il va rester 7 tours. 6, 7. Mais j'ai l'impression qu'il bug plus là, Dadouche. Moi je le vois pas bugger. Bah, je pense qu'il est conscient de ce qu'il fait. S'il a laissé passer tout le monde tout à l'heure, c'était il se sentait mauvaise co. Dad, tout à l'heure il roule, il est maintenant en 3ème. Il avait pronostiqué vainqueur, il peut encore le faire. Ouais. Et la petite surprise, c'est cerise sur le gâteau, hein, c'est les softs de Trashco. j'attendais que tu le dises, pensais bien que tu avais parlé de lui. Trashco en soft, hein. Bah, pourquoi pas, hein, 7 tours. 7 tours dont. Franchement, c'est. Pénalité de 3 tours. Franchement, 7 tours, même les médiums, hein. Je préfère médiums. Hein. Ouais, surtout reste, sur la fin. 4 tours, vas-y, soft, mais pas plus. Pas moins. Hein. alors bah, je vais enlever les pneus hein, pour libérer de l'affichage. On a dit qu'il y avait Airborne à 15 tours et sinon c'est des pneus assez neufs pour tout le monde. Soumi, Tilou et Fabibo vont être dangereux. C'est les médiums là contre du pneu hard qui va difficilement chauffer sous safety car. Ils vont être dangereux les ovos. Il n'y a que les trois pilotes devant et Kojic qui sont à un seul arrêt. Et Stuck repartit sur l'aileron arrière de Spridgy. Il va se charger de relancer. Minicrève a l'air bien chaud. Dadouche également. Choumi, Tilou, Fabibou en médium, n'en parlons pas. Une course qui était promise à Spanish. Maintenant un temps à Bastien, maintenant à Spridgy qui relance. Oh non, oh il s'est fait bloquer par la safety car je crois. Airborne, abandon. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la relance des McLaren, à la safety car, il y en a une qui pète. Oh derrière c'est coquin, je vais aller voir avec Jason Martin là. Chimique à... Oh là, il s'est passé pas mal de trucs là, de choses. Chimi et Tilou de 2 de front. On va même se mettre avec eux. Ah bah Chimi est passé. Airborne qui quitte. Ah, j'ai pas tout suivi mais. Il a dû prendre le fessier de. Pilote devant. Hein. Je propose une nouvelle caméra inédite des vues arrière. Je sais pas si c'est super efficace que ça, super financier pour ces accours. Alors, Dadouche, 3 dixièmes de minute. Oh pardon, j'ai raté un truc. Dadouche qui a touché le mur là. Alors, je sais pas s'il a cassé son flap, mais. Alors, est-ce que c'est comme ce que j'ai vu tout à l'heure? C'est peut-être à cause de sa connexion, on a l'impression qu'il touche et non en fait. Ah, peut-être. Parce que tout à l'heure, c'est vraiment l'impression que j'en avais eu et. Tu me dis que c'est un pilote propre, je pense pas qu'il touche. Juste. Ben, regarde, il n'y a pas de perte aérodynamique. Hein. Non, peut-être il a peut-être touché, mais pas assez pour casser. Oh, tu sais, dégâts de simulation. Vous savez ce que j'en pense, hein, des... Bon. Pas. Dadouche lance tout. Ouais, Dadouche, il a rien. Hein. Là, il y va, Dadouche. Ouais, ouais. Et Dadouche, il va aller chercher la win, hein, Dadouche. Parce qu'il a un énorme risque, mais devant, il y a Spridgy qui était un peu en délicatesse. Certes, 9 dixièmes. Après, ah oui, Dadouche, il y a de la pénalité, c'est vrai. Et Trashco qui a perdu. Il est parti tout droit là au premier virage. Il a dû se louper au freinage. Il a voulu y aller à fond avec ses softs et il n'a pas payé. Voilà. Là, les pilotes qui ont pris des pénalités, ça va faire très mal. Hein. Et voilà. Et Dadouche.
de la douche là, qui a juste à aller chercher 2 secondes hein, sur ce prix. On l'a vu qu'il était supérieur tout à l'heure, il avait un meilleur rythme. Et ah bon, Quel dommage, il y a Mini Crève et Fabi Bou derrière. Pas se faire rattraper par la douche, et ça cause la pénalité. L'intervalle au leader, voyons voir ça. Allez, 1 seconde 7 pour l'instant, il faudrait reprendre encore 1 seconde, Prisby, si tu veux conserver cette victoire. C'est possible. C'est possible, peut-être que Mini Crève est moins en forme pour tenir cet écart. Quoique pour l'instant. Le RS est à moitié vidé. À voir, écoute. Shumi win. Oh bah tiens. Ah, Fabibou est sur Mini Crève. Pour l'instant, Shumi aussi. Mini Crève perd 2 positions. Il va peut-être en rattraper une. Oula, il y a Kilo qui s'amance. Ça part sur un 3 de front. Ça part. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir, un 3 de front? 1. 2 Tilou, le gros freinage. Ah, c'est sage la Mini Crève qui a été le plus intelligent. C'est pas fini. Fabibou qui a perdu la zone DRS sur la douche. Ça fait l'affaire de Squeezie. Et Raven qui remonte là à 10ème position. Hein. Ouais. Pour revenir très rapidement là sur Raven, j'ai regardé et quand il est sorti, alors je sais pas si. Oh et voilà, et merde, j'aurais pas dû parler. Et voilà, Raven. Raven, attention, parce que merde. Ça casse ce qui reste du temps pour une safety là. Oh bordel. Bon, ça m'étonnerait. Ah ouais. Oh, si, sérieux. Oh, c'est nul. Ah bah là, Raven, il vient d'enlever la victoire. Ah bah putain. Ah bah merde, bah Raven, j'aurais pas dû parler de temps. Parce que là, autant il pouvait les mettre une seconde à fin de bout, là ça va être compliqué. Falcao. Il a... Alors mince, je vais trouver mes mots. Il a crevé son pneu arrière droit. Donc bon courage pour rentrer au stand. Donc là, sa course, on peut clairement dire qu'elle a fini parce que la safety car, elle va devoir relancer là. Prochain tour. Je sais même pas si elle va faire un tour complet là. Si. Si, elle peut relancer pour le tour 24-25. Tout à l'heure, j'ai fait une simu, ils m'ont laissé rouler le tour 24-25. Tranquille, Falcao, je pense que t'as le temps de retourner au box. Et après, après, le tour où il doit rattraper la safety, il peut le faire à fond et arriver comme ça. Ouais, à voir. On va voir ça. Mais là, il a une peine. Là, le pauvre. Alors, devant, est-ce que t'as la box? Bah non, hein. Du coup, j'ai même pas eu le temps de caler là, l'information sur Raven, mais il avait fait un secteur 1. Il avait cassé. Il avait fait un secteur 1 60 secondes d'une minute. Donc peut-être qu'il avait eu un contact ou qu'il a perdu la voiture, qu'il a touché le mur ou quoi. Ou alors ça prend en compte le changement. Enfin, il était rentré au stand, donc peut-être ça prend en compte la rentrée dans les stands. Ouais, ça pour un secteur 1. Mais ça expliquerait peut-être pourquoi il a dû re-rentrer au stand direct dans la foulée, mettre des médianes, mais et puis merde pour lui alors. Il est possible que même s'il reste peu de tours, la safety attende le tour 24 pour relancer. Ce serait sa limite. Mais tu vois là, il y a des pilotes qui vont jamais pouvoir la rattraper, donc elle va peut-être. Pour moi, c'est 3 tours. Hein. Ouais, pour moi, 23, 24, 25, en gros, fin du 23, ça. Bah, ça serait beau. Ou fin du 22. Bah, pour l'instant, du coup, c'est Fabibou et Soumi qui nous prennent le podium. C'est triste hein, pour. Parce que ce qu'il dit, il le tenait, la douche, il avait peut-être pas besoin de forcer autant. Va s'en vouloir. Et je vais lui en vouloir également. Ouais, c'est une course comme on l'avait annoncé, hein, avec des safety cars. N'importe qui pouvait gagner cette course. Hein. Et c'est pas fini. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Fini, t'as des spectateurs qui n'attendent plus que toi. La Ferrari, là. Alors, Falcao qui est ressorti des stands, là. Est-ce qu'il va pouvoir. Écoute, la safety n'a pas annoncé sa reprise, hein. Elle serait capable de l'annoncer maintenant. Hein. Oh. Non, pas là quand même. Ah, des fois, ça te sort des reprises. Alors là, ça. Non, là, c'est bon, ça rentre pas, mais. Ça serait saugrenu. C'est déjà arrivé pas mal de fois. Hein. Bah, tu vois, c'était comme annoncé, et fin du tour 24, fin du tour 23, pour 2 tours de course, on va repartir.
On a encore un tour à attendre et Falcao va arriver de chaud. Falcao, il a quoi comme pneu? Soft. Soft avec 3 secondes de pénalité. Ah ouais. Alors ouais, c'est compliqué là. Donc fin 23e tour, ça va rentrer. Donc il nous restera le 24e et 25e, donc 2 tours comme t'avais dit. Puis, en espérant qu'on finisse la course à 13. Hein. Bah là il faut peut-être juste finir pour marquer un point. Et peu de pilotes marqueront le point de participation. Ouais. Si on le rappelle, c'est du 11e dernier si tu termines la course. Hein. À Dadouche, ouais, je l'ai vu un peu bugué. Après, de toute façon, Dadouche, il a aucun point à marquer ce soir. Ah, il peut faire le cadeau à Sprigy de retenir pas du bout. Ouf. Pas sûr. Ce sera, à mon avis, il est pas Red Bull. Il veut faire play comme il a été au début du GP. Bah, ça va jouer sûrement entre Fabibou et attention, tu sais ce qui peut se passer, Fabibou et Choumi vont vouloir tellement se battre pour cette place potentielle de premier. Dis pas ça. On va se retrouver avec des crashs là de partout. Et dans ce cas-là, Mini Crève le vainqueur. Celui qui passera entre tout le monde. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est. Tiens, Falcao, vas-y à fond. Ah ouais, il a peut-être un delta, ça serait terrible. Ouais, parce que là ça vient de passer. Mais à fond, Falcao, t'as pas d'essence. Tu passes le bac. Sprigy va prendre son temps, il va essayer de surprendre certainement Dadouche. Ouais, cette fois-ci il va prendre le temps, puisqu'il s'était fait piéger la dernière relance. Il avait voulu accélérer, la safety car en avait empêché. On va surveiller, hein, mais on espère pas de casse. Une belle relance, une belle fin de GP pour ces deux derniers tours. Oh, et Fabibou, Falcao, voilà, qui a eu le temps de recoller, comme tu disais, pile poil. Et c'est reparti. Sprigy qui est déjà parti. Qui a surpris, hein. Il a surpris Dadouche. Il a surpris Dadouche. Faut tout mettre. Ouais. Écoute, je vais pour ces derniers tours mettre l'écart au leader. On va finir ainsi. Répète, hein, pour que Sprigy l'emporte actuellement premier, il faut qu'il mette 3 secondes sur sa vue, donc encore 1 seconde 5. Et je vais peut-être me mettre avec Choumi. Et la lutte avec sa vue pour cette victoire pour l'instant. Attention avec les pneus froids, et oui, Tiloud. Aïe aïe aïe, Tiloud qui l'a perdu. Il n'y aura pas une nouvelle safety car, c'est fini. Putain, mais au moment où je me mets sur lui, bordel. Je crois qu'on porte la poisse. Hein. Ouais, ce soir on a porté la poste à plusieurs pilotes. Falcao, tu vois, qui a pu revenir. Bon, il a les pénalités. Il manquerait encore deux DNF pour finir dans les points. Ouais, Dadouche qui va s'accrocher. Hein. Ah ouais, t'as l'impression qu'il tape Dadouche, c'est incroyable. Il dit qu'il donne tout, hein. 1 seconde 8 sur Fabibou. Fabibou qui envoie tout le RS en ligne droite. Et malgré ça, ça reprend pas tant que ça de temps. Fini juste derrière. Allez, Tiloud. Bah, William, merci pour l'encouragement. J'espère que c'est pas une vanne, genre, allez, Tiloud, bravo pour le bin, hein, que t'as envoyé ce message juste avant la casse. Ah, Fabibou, il a vidé le bidon, le RS, 1 seconde 5, là, sur Sprigy. Choumi toujours quelques dixièmes derrière. De toute façon, là, tout le monde va suivre, hein. Je pense qu'on va rester Choumi Fabibou, ça devrait être la bataille là. La bataille qui n'a pas lieu. Ça va pour ce certainement être la première, la première place. Et Fabibou qui n'a toujours pas de ligne pour ce Grand Prix, donc attention Fabibou. C'est pas l'heure, il n'y aura pas de DRS. Hein. Mister Jack sur Lija Dixur. Avec c'est normal, hein, 12 tours sur les médiums Lija et 3 pour Mister Jack. Il y a des points à aller chercher là, des gros points pour Mister Jack. Ah bah voilà, bon, attends, 3 secondes. Non, mais c'est incroyable, c'est le score qu'on a tout ça. Oh là là là. Ouh là, le secteur 1 qui a été difficile pour Fabibou qui a perdu 5 millions dans l'histoire là, sur les hommes de tête. Fabibou il a juste à protéger là, sur Choumi. Bah ouais, il a suivi de RS, c'est bon normalement. Non, il est assez loin, je pense, Choumi à moins d'une erreur, mais on va rien dire.
J'ai rien dit. On n'a rien dit pour l'instant. Alors, pas du bout, une seconde vite. Pour l'instant, c'est... ça sent bon, il va rester une chicane à pas se foirer. Dernier secteur. Oh, il la prend safe. Et là, il vide le RS. Dadouche qui va aller chercher la première place. Bon, sans peinard. Non, il va pas tenter le dive Dadouche. Il se colle un maximum à Spritchy, c'est bien fait. Jumi qui est trop loin. 5 secondes, ouais, du coup. Mais le vainqueur ce soir, c'est Fabibou pour 7 dixièmes. Et Spritchy qui... Ouf, Spritchy à 80 millièmes hein, de Jumi. Hein. Il finit devant. Donc, c'est très bien. Je pense qu'il s'en contente bien de cette deuxième place, Spritchy. Bah oui. Et Jumi, pilote du jour, c'est mérité. Super GP de Jumi également, pilote Ferrari. Je me suis un peu focalisé sur les pilotes de tête sur la fin. On a Fabibou, le grand D Fabibou, ça fait très plaisir pour lui aussi cette victoire. Pas de pénalité, il a tenu, il la mérite. Spritchy qui aura tenté avec un seul arrêt, il aura pu réussir son coup sans cette pénalité. Et Jumi, qu'on a vu se battre avec Bastien. Alors, malgré ces safety cars, moi j'ai apprécié le Grand Prix. Hein. Ah oui, il y avait des batailles de partout. Hein. Franchement, c'est passé très vite. On avait des potentiels vainqueurs qui au tapis, comme Spanish ou Bastien. C'est dommage. J'invite dans la partie. On fait pas une Discord. Ouais, Discord. Non, c'est bon, c'est la partie audio. Le Fabibou, la partie, le donc, si tu peux me rappeler, ouais. Et le Jumi, puisqu'il était également pilote du jour. Et le meilleur tour, le temps du meilleur tour, le point du meilleur tour sera marqué, puisque c'est Mr. Jack 10e qui a dû le faire là sur les derniers tours. Une 31.7 en soft, je pense. Ah bah tu m'étonnes, non mais attends, mais Jumi, c'est incroyable. Parti 18e, fini 3e, quasiment 2e. Il aurait même pu viser la victoire. On a trois beaux pilotes pour ce podium. Félicitations, messieurs. Un seul arrêt pour Spritchy. Deux pour Fabibou et Jumi. Mini Crève également, hein, qui départ fond gris. 17e, termine au pied du podium. Félicitations, messieurs. Dommage, Thibaut, on te voit dans le chat. On aurait aimé te voir un peu plus haut. Un peu de précipitation à la relance. Alors, je vais me mettre sur une petite Ferrari pour l'interview du pilote du jour qui sera Jumi. Faut juste que j'invite Fabibou. Est-ce que tu pourrais me donner son PSN? Ouais, bah au pire, je l'ai. Est-ce que je l'ai en ami? Je l'aime pas. Attends, trop, peut-être que je vais le trouver. Alors, ouais, c'est bon, t'embête bon, pas. Tu l'as, impeccable. C'est bon, hop. Alors, on attend Jumi maintenant. Jumi, on est prêt. Hein. On a la Ferrari en fond. On laisse profiter de ses ouïes. On espère une Ferrari aussi belle. Là. Bientôt la révélation délivrée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est bien modélisée sur le jeu. Il y a bien un truc qui est plus ou moins bien fait. Encore 25 000 hein, pour les interviews. Parce qu'il y a 25 000 personnes qui vont écouter les interviews. Faut rester jusqu'au bout. Hein. Ils attendent Jumi. Bravo, c'est sympa. Mais ouais, c'était sympa, Papy Ludo. Moi, franchement, j'ai passé un bon Grand Prix à commenter tout ça. Et c'est pas ennuyeux. Hein. Bout. J'ai peut-être pas laissé assez parler Cabros. Ah non, attends, bah, je me suis même dit, peut-être des fois, je te coupais trop la parole. Ah alors, non, non, non. On est pareil. Très, très, très bien, alors. On a kiff. Eh ben, parfait. Bonsoir. Bonsoir, Jumi. Bonsoir, à tous en même temps. On salue, moi. Félicitations pour votre podium. Merci. Félicitations pour ta pénalité, Spritchy. Ouais, mais c'est les Aston Martin aussi là. C'est les mecs qui font des switch, des re-switch. Je sais pas ce qu'ils font devant moi. Je les regarde. Bon, normalement, j'ai pris des avertissements. Dommage.
Dommage parce que ça ne tenait qu'à ça, cette victoire, ou à 7 dixièmes à reprendre, mais s'il n'y avait pas eu la dernière celle-ci, t'aurais peut-être eu ta chance. Mais on va en reparler, on attend le vainqueur, ou alors on peut lancer, écoute, il ne dira pas bonjour, on va lancer avec le pilote du jour. Bien bonsoir, Choumi, pilote du jour, parti 18e sur le podium 3e. Est-ce qu'on l'entend, Choumi, déjà? Oui. Ah oui, ouais, bon, oui, j'ai peur. Normalement, oui. Vas-y, Choumi. C'est les chaussures Sparco, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le circuit, hein. J'adore le Cédar. Ah, bah voilà. Vas-y, raconte-nous ta soirée. Bah, j'étais parti pour faire idéalement hard soft, mais j'ai légèrement touché un mur avec mes hard, avec léger dégâts d'aileron. Rien de dramatique, mais bon, vu qu'il y avait une safety car, j'ai profité pour rentrer et changer l'aileron. Et puis à la deuxième safety car, où je suis rentré avec Cogit, le problème c'est que Jeff m'avait pas dit que j'avais à nouveau des dégâts d'aileron. Je me suis pas rendu compte. Donc ça lui a fait perdre beaucoup de temps malheureusement. Je m'excuse encore pour lui. Et puis la fin de course, c'est bien passé malgré la pression que mettait Tiloud. Pression d'équipe. Et puis quand je vois à l'arrivée que j'ai que même pas un dixième sur Sprint J, je suis un peu dégoûté. Ouais, 80 millions. Dernier tour, j'ai relâché un peu. Je me suis dit, je vais assurer. Mais ouais, je savais pas qu'il y avait des pénalités devant encore. C'est quand je voudrais attaquer un peu plus. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. C'est déjà une belle troisième place. Hein. Tu pars de par très rapport loin. À Bahreïn où ça s'est pas bien passé, j'ai fait de la merde et tout. Voilà. Troisième, c'est déjà bien. Ah, on va essayer d'enchaîner le reste de la saison comme ça. Bah, on l'espère que tu vas nous trouver encore faire des bonnes courses pour la. Fabibou, je vois ton message, hein, mais j'arrive pas à t'inviter, je viens d'essayer. Ah, il est pas dans la vocale, Fabibou. Ouais. Mais je vais peut-être essayer pour, avant la fin. Non, mais on peut plus l'inviter. Ça bug, c'est comme s'il était déjà. Mince alors. Essaye de redémarrer la console ou à la fin j'essaye de clôturer cette partie, d'en ouvrir une juste avec toi, on va voir ce qu'on peut faire. Mais GG Choumi en tout cas, 18 tout podium, superbe course. Il y avait des belles batailles Ferrari et Bastien aussi. Hein. Oui, ah oui, on s'est régalé. Ils perdent du temps, mais bon, ils doivent kiffer. Ouais, mais c'est vrai qu'il m'a permis de remonter sur Bastien. Il m'a fait un peu une Perez Hamilton. Oui, et on a eu peur aussi arriver avant la dernière zone de DRS, là, à la chicane. Il y avait un petit coup de stress là entre les deux Ferrari. Oui, j'avoue. Je me suis dit, non putain, on va pas recommencer comme un Bahreïn. Je me suis dit, vous allez faire la spéciale. Ah, ouais. J'attendais. Vous avez fait peur. Ouais. Ouais, dommage, mais bravo à toi, superbe GP, on t'attend la semaine prochaine. On va passer à Sprint J, je te laisse Cabro savoir avec le deuxième. Bah, Sprint J, deuxième place. Dis-nous comment se sont passées tes qualifications et puis ta très belle course tout de même. Les qualifs, c'était le plan de pas trop pousser, je savais que j'avais un. Je sais pas si je pouvais aller chercher la pole, mais normalement c'était les temps que je devais faire. J'ai raté mes deux premiers tours lancés. Donc j'ai fait mon troisième tour sans delta, sans repère, sans rien. Et j'ai fait une 28-8, je crois. C'était pas trop mauvais, 28-9. Mais du coup, on était bien placé avec Raven. On n'est pas trop mal parti. Et après, il y avait avec moi en audio aussi, il y avait Dadouche qui allait super vite. Donc je l'ai laissé passer. Et en fait, j'ai vu qu'il avait un gros problème de co. Ouais. Ça m'a mis un peu dans la merde, j'arrivais pas du tout à le suivre parce que ça se téléportait de partout. Et après j'ai vu Tiloud qui arrivait, et Tiloud, le connaissant, il avait mis 0 et 2 en aéro, je pense. Quand j'ai vu que ça allait me bouffer mon Strat, je l'ai laissé partir. Fabibou est passé aussi d'ailleurs. Et après en fait au rythme, je suis revenu sur les deux. Après on a changé des pneus, je suis ressorti juste derrière les deux. Et en fait ils étaient l'un derrière, au début... Tiloud a laissé passer Fabibou, j'ai cru que Tiloud avait des dégâts, mais après ils sont relaissés passer, et en fait dans tout leur truc qu'ils ont fait là, moi j'étais collé derrière tout le temps, j'ai perdu concentration, j'ai pris un avertissement un peu bête parce que j'attaquais même pas, je suivais juste, enfin, le troisième avertissement que j'ai pris du coup,
Et ensuite, quand il y a eu la safety, Bah, non, le la troisième, deuxième. c'est à la relance. Non, il y a la deuxième d'abord et je rentre pas parce qu'on m'avait dit que quand tu pouvais prendre la tête, tu ne rentrais pas. Donc je suis pas rentré. Enfin, je sais pas, Ouais, j'ai bah, décidé de pas non, rentrer. c'était un bon choix, hein, c'était un C'était le bon bon choix. choix, c'était le bon Et choix. T'avais t'avais je 3 ou 4 pense. tours, je crois, de plus que. Ouais, mais je me sentais vraiment bien sur les hards et je pensais que sur le secteur 1, je pouvais faire une bonne différence déjà. Il y avait 2-3 personnes qui sont pas qui ont pas pit derrière non plus. Et première relance de safety, bah en fait, j'en ai jamais fait de ma vie. No joke, j'ai jamais fait une relance, donc j'ai fait n'importe quoi. J'ai relancé beaucoup trop tôt, je me suis fait brider après le dernier virage, donc Ah, c'est quand ça. Airborne y casse, il Je abandonne. pense, ouais. Je sais plus, Ouais. Je je pense que sais les pas mecs ont cru que j'avais possiblement. voulu ralentir et réaccélérer, mais en fait, c'est parce que je suis parti trop vite, et en fait, la safety, elle était Aïe pas aïe aïe. encore rentrée. Et du coup, je suis Ouais, parti c'est ce que j'ai pensé, j'ai dit Ouais. ça en vocal, je me suis Ouais, dit du c'est le coup. jeu qui l'a bridé. Tout le monde a été Voilà. surpris Bah, je derrière, me ouais. suis fait brider, en fait, juste parce que je savais pas faire une relance de safety, clairement, c'est pas l'habitude, hein, clairement. Quand t'es rentré, tu voyais encore la safety car ou elle était déjà dans les stands quoi? Bah, moi, je la voyais, je l'avais vu partir dans la voie et je pensais que c'était bon, donc j'ai mis un coup d'accélérateur en sortant du virage et Ouais. là, je me suis fait brider direct. Un peu trop tôt alors. Ouais, un peu trop tôt, ouais. La deuxième, c'était mieux déjà, la deuxième, c'était beaucoup mieux. Et du coup, il y aurait la deuxième, enfin, la troisième safety, du coup, c'est mon coéquipier malheureusement qui casse. Bah, qui t'enlève la victoire, clairement. Je sais pas, après, est-ce Bah que j'aurais derrière, pas commencé c'est. à. Parce que du coup, au moins, ce qui est bien, c'est que sur le moment, je me suis dit, bah vas-y, au moins, j'ai rien à perdre, je vais attaquer, attaquer, attaquer. Et j'ai fait Ouais. les deux tours de ma vie avec des hards usés, les derniers tours, c'était un vrai kiff. J'étais à la limite partout, mais la voiture a tenu, donc Et voilà. ça a Je payé, voyais hein, le, je voyais que 80. ça, ouais, je voyais que ça tombait derrière. Je pensais que, pas du tout, je savais que j'allais pas lui mettre 3 zones en 2 tours. J'essayais de pousser par rapport à un mec derrière. Je pensais que j'allais faire troisième d'ailleurs. Il me semblait que Chumi était à distance. J'ai vu que sur la fin, il a peut-être un peu ralenti. Et moi, j'ai tout mis. Ah, J'ai vraiment tout mis il avait vidé sur la le dernière RS un poil chicane. trop tôt. Bah moi aussi, hein, j'étais pas loin de l'avoir vidé trop tôt, mais j'étais à la limite à tous les virages. J'ai pris deux avertissements dans les 2 derniers tours. Enfin, c'était vraiment à la limite de la limite. Mais passé. C'est une très C'est belle passé, c'est P2. passé. Donc voilà. Content. Je m'attendais pas à faire. J'ai pas tapé un mur, j'ai pas pris de dégâts. Rien que ça. Pas de spin. Voilà, Voilà. en parlant Bonne de course. propreté, ouais, le début de la course était incroyablement propre. Et puis au fur et à mesure, il y a eu quelques safety cars, mais sinon, c'était une très belle course. Ouais, ça va. Il n'y a pas eu l'air d'avoir trop de problèmes au départ non plus. Franchement, c'était cool, hein. C'est bien amusé. Je pense que tout le monde s'y est. Enfin, malheureusement, il y en a qui n'ont pas fini, mais. C'était une belle course à regarder en tout cas. Mais du coup, Félicitations à j'aurais voulu toi. féliciter mon grand copain Fabi Boum, mais il n'est pas là, donc je pense que Mais c'est on a un bon. petit problème, on n'arrive Je vais pas. retenter de créer un autre audio pour voir si c'est celui-là qui Ouais. déconne. Donc je vais devoir vous laisser, vous. Et le live va pas se couper si on va essayer de créer un dernier audio. Juste avant, au cas où ça marche pas, bah, félicitations à tous les pilotes au podium là. Et Merci. Merci, Joshua. à Merci. Spanish et Bastien qui aura pu faire un super GP. Et bah les Raven. gars, si vous voulez rester, je vais essayer de recréer une partie avec Fabibou et vous. Donc si vous voulez en faire partie, Ok. on va essayer de se faire ça. Écoutez là, pour l'instant, on va Tout de suite. couper celle-là tout de suite. À toute. On se retrouve dans l'aide d'Emres, tiens, Fabibou, va dans l'aide d'Emres. Ah non, 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 nouvelle partie, nouvelle partie. Alors, est-ce que le live m'entend, moi? Démarrer une partie. Stuck. Hop, la partie est ouverte. Fabibou, je peux l'inviter. J'invite le Francky. Hop, j'invite le Spreeji. Ah, super, je peux pas inviter Cabrossa. Super. On m'entend, on m'entend, on m'entend raconter mes conneries. Hop, Cabrossa. Fabibou a rejoint, c'est réglé. Oh putain, on y est Vamos! arrivé. Le vainqueur. Petit incident technique, mais. Ah ouais, désolé les gars, un gros carnage. Mec, il y a toujours 15 000 personnes là pour t'entendre. On va passer sur l'affichage d'Hill Tu Aston mets la Martin. pression. Régale-toi, Ah Fabibou, putain. régale-nous. À toi de jouer. Ah, quel régal, putain.
Ça fait du bien, ça faisait longtemps. Bien joué, bien joué. Et t'as pas. Il est où Merci, ton sbire? merci Favibou! 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 Attends, Ah, Fabibou, moi, j'ai Sprinty pour la deuxième place. Attends, ah, putain. J'ai un petit truc pour toi, Fabibou. Attends, tac, 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 j'arrive. C'est parti. J'espère que c'est Samba de Janeiro. Non, mais Fabibou, ce soir. Mais tu fais gonfler mon zizi, là. Voilà. Voilà. Eh ben, j'en suis fier. Envoie une photo quand même. Félicitations. Ah, non, mais ça, faut rejoindre le compte privé. C'est plusieurs sommes, ça. Vas-y, Ah, merci les Fabibou, gars, merci, c'est raconte-nous ta gentil. soirée. Ah, ben, régal, hein, putain, un circuit, j'avais mis clairement une option dessus, enfin une croix dessus, j'avais dit je veux le gagner. Donc voilà, c'est clairement le meilleur pour moi au volant, donc je voulais tout donner dessus. Qualif compliqué quand même. J'arrive pas à faire le temps que je faisais en qualif d'entraînement. Mais bon, j'accroche 5 ou 6, 5 je crois. Je dis bon, ça va, j'ai un peu peur du peloton parce que je me dis bon, ça va être un peu galère. Il y avait un petit bug de coup d'un pilote qui me faisait peur. Je lui dis bon, et écoute, je suis resté propre du début à la fin, j'ai pas fait d'erreur. Voilà, des belles batailles avec Choumi notamment. Esprit G, il a fallu défendre aussi, c'était chaud. C'était propre, je pense, c'était cool. Donc voilà, après la dernière safety car, j'ai peur, je me dis qu'est-ce que je fais? Non, l'avant-dernière, pardon. L'avant-dernière, je sais plus si je rentre ou pas. J'ai dit bon, allez, je vais rentrer mettre les médiums. Et la dernière, je vois que je m'en trouve troisième ou quatrième avec des pneus bien et des pénales devant moi. J'ai dit bon, bah allez, on va tenir ça. Dommage pour Spanish qui était très très bien, qui avait une win facile, je pense, Oh et merde. qui malheureusement la perd. Et derrière, voilà, bon, les deux derniers tours, j'étais à une pénale les 3 secondes, donc du coup, j'ai dit bon. Putain. J'étais à un avert des 3 secondes, j'ai dit bon allez je donne tout pour assurer et j'avais 3 secondes à tenir quoi, donc j'ai dit bon allez on y va tranquille quoi. Je voyais que Choumi derrière il était dans le même état d'esprit que moi, j'ai dit bon ben voilà c'est bon c'est fini. J'ai dit bon ok c'est bon je suis dedans et ça y est quoi, ça fait longtemps. Ça fait du bien. Et bravo encore à Choumi, Spreji, c'était sympa. Des belles batailles quand même. Oui, merci Il y à avait toi du aussi. rythme. Félicitations. Merci au cas, j'ai regardé ça, c'était cool. On va On voir s'est ça, on va bien se régaler. amusé. On a passé un bon moment à caster votre course. On s'est pas ennuyé. Malgré les safety cars, il y avait du suspense jusqu'au bout. Et un beau vainqueur, un beau deuxième, un beau troisième. Un beau podium. Des beaux éliminés qui auraient pu être sur le podium. Dommage. Spanish, c'est vraiment dommage. À Il Spanish, il avait du était rythme. parti pour vous torcher, les gars. Ah, mais À complet. chaque relance, il mettait 1 seconde, 2 secondes. C'est Ah ouais, il avait dommage. le couteau entre les dents. Ah, c'est impressionnant, ouais. Et il l'a mis autre part, le couteau. Ah, malheureusement, ouais, il y a eu un petit souci. Et voilà. NT, putain. Dégoûté pour lui, il méritait largement mieux. Terrible. Ben voilà, quoi. Cabrosso, t'allais nous dire un truc. Non, pas spécialement, mais tant que j'y suis, ouais, je voulais surtout parler d'Hadouche. Hein, Ah encore une oui, fois, hein, pardon, faut le bah oui. souligner quand même. Faut le Eh souligner. oui. C'est un exemple hein, ce qu'il a fait ce soir hein, au niveau de sa prestation, hein, que ce soit son rythme ou son fair play. Il n'a pas été gourmand. Pourtant, il était super bien positionné. Et puis, il a laissé passer tout le monde à cause de sa cause, je pense. Hein, Ouais, on n'est pas c'est encore ça. sûr, mais. C'était horrible. On était avec Francky Ouais. dans l'audio aussi, et il lui a demandé de laisser passer tout le monde. Et après, quand ça a remarché, Ah, il y il a a eu ça. un Hein, call, mais en tout cas, il l'a fait. d'accord, il y a eu quand même un Ouais, petit il y a un call, call du mais patron. il a Hein. pas Ouais, bronché, quoi. Je mais il a pense pas qu'il a bronché, déjà non, il s'est pas qu'il y a plaint, des il a gars dit qui qui restent en piste, quoi, et qui retentent de se Non, connecter sur une course. il a été Je sais pas si vous grave. reconnaissez. Il a été très fair play là-dessus. Ouais. Après, il s'est relancé dans le truc, pas de Puis problème. même après il est resté derrière pendant pas mal de tours hein, derrière le 19e. Il était dernier et puis il est remonté petit à petit. Hein. Même C'est comme vrai. ça, Il hein. Il allait se retrouve super vite. Hein. Honnêtement, Même on comme espère le ça, il a revoir fait faire un alors. podium. Ouais. T'as gagné ta place de titulaire à coup sûr et peut-être dans un futur proche de. Non, de réserviste à coup sûr et bientôt de titulaire, on l'espère pour toi, Dadouche. Travailler sur la co.
Point faible, la connexion. Ah, quand même, je voulais juste dire un truc si vous me permettez. Non, on va couper là-dessus. Bonne je soirée. Dire bravo à Tiloud. Je vais juste dire bravo à Tiloud, il avait une bonne strat, c'est dommage, il m'a laissé passer au bon moment. C'était cool, il a fait retarder un peu Spread J et tout, c'était ouais, bravo à lui, il dommage chier, qu'il se fait crache. chier aux stratégies de team là, putain. On n'était pas, on n'est pas en vocal ensemble, on n'est pas en vocal Sérieux? ensemble, donc je, non. Donc Ah bah, ok. je, ils sont plusieurs et nous on est plusieurs de notre côté, du coup ça fait bordel. Et il a laissé passer de, voilà, il m'a laissé passer de lui-même sans que je lui dise quoi que ce soit. Et derrière, derrière, ouais, il a voulu rattaquer avec ses 3 secondes, mais ouais, bravo, dommage pour dommage qu'il finisse dans le mur quoi. Mais bravo. Bravo Pardon, Chiloud. pardon, pardon. Pardon, je voulais pas la remettre là. Attendez, parce que je voulais voir le prochain circuit. Ben, je l'ai pas. Autriche, il paraît. Autriche, j'ai vu que ça s'entraînait en Autriche déjà. Eh ben, le Red Bull Ring, on a une Red Bull qui a failli gagner. On en a une qui a failli gagner la semaine dernière. Est-ce que c'est pour la semaine prochaine? Sur le circuit Red Bull. On arrive! En tout cas, on te le souhaite. Si Loot qui ouais, te on dit va merci tout, le on va tout boss. Mettre sur, on met tout sur Raven pour la semaine prochaine. Oui. Allez, cours d'équipe. Merci beaucoup le groupe expert, on a passé une bonne soirée. On se retrouvera vendredi prochain en Autriche. Merci à toi Cabrossa. C'était merci la régalade. Ouais. Merci les deux, merci à vous deux. Yes. Les gros faites-nous rêver, plaisir. Faites-nous rêver dimanche soir. Hein. Ouais, bah passez un on bon va tout week-end faire là et on se retrouve dimanche pour passer sous les sous la minute 28 en qualif. Écoute, on espère, on espère. Easy les gars, easy pour vous. Easy. Et pas faire de double tape sur les murs. Allez, on va okay, rajouter la bah, merci les gars. Conneries. Gros bisous à merci, tous. Merci, bonne soirée. Bonne fin de soirée. Bisous. Ciao. Merci à tous. Ciao. Ciao.